Oh no. I don't know why they use this. Voilà, on va pouvoir démarrer. Veuillez nous excuser pour ces quelques instants de retard. Les problèmes techniques, c'est habituel. Je vais d'abord commencer par donc rappeler de nouveau qu'il faudra bien fermer son micro tout au long des interventions et de laisser votre caméra ouverte puisqu'il s'agit d'un séminaire de rencontre. Donc, on trouvait intéressant qu'on puisse se voir visuellement. Vous avez à l'écran l'équipe qui va vous accompagner pendant ces 2 jours de séminaire. Alors ça, le temps que la diapo soit chargée. Donc moi je suis Gaëlle Yellard de l'Office de l'eau Martinique. Je suis chargée de la coopération décentralisée à l'Office de l'eau. Et puis il y aura une équipe qui va nous accompagner de l'Office international de l'eau. Alors ça, la diapo n'avance pas. Peut-être, alors, on va faire partager mon écran par quelqu'un d'autre. C'est peut-être parce qu'on est trop nombreux sur le même fil. Je reviens. C'est bon là? C'était bien, mais je suis pas sûr. Tu sais quoi, je crois que c'est. Hop, je vais faire comme ça. Je suis sûr que ça. C'est bon. C'est bon. Voilà. Vous entendez? Oui. Super. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, l'équipe qui va nous accompagner, qui va vous accompagner toute la journée, donc l'équipe de l'Office international de l'eau, c'est moi qui l'ai branché. La matinée, donc Philippe Seguin de l'Office international de l'eau, Chloé Deschelette de la communication, Camille Madec qui est chargée de projet à l'OIO, Virginie Clérimat que tout le monde connaît, c'est la star du projet, et Hugo Mérien. En rappel du planning de la matinée, nous allons d'abord avoir un premier temps de discours d'ouverture des représentants officiels de chaque pays. Ensuite, une pause rapide, mais une pause dynamique. On va vous expliquer après de quoi il s'agit, comme pause dynamique. Puis, les représentants des différents partenaires et acteurs du projet CAREPSAN. Et enfin, discours d'ouverture officiel du président de l'Office de l'eau Martinique qui coupera virtuellement le ruban d'inauguration du projet. Nous ferons ensuite une petite pause et cette pause consistera à voter pour le logo que nous souhaitons vous proposer pour ce projet CAREPSAN. Quand on reviendra sur les poses du logo, on vous expliquera ce qu'on attend de vous à ce moment-là. Ensuite, il y aura une présentation rapide du projet CAREPSAN dans ses grandes lignées, donc du point de vue technique, financière, de la gouvernance, des partenaires impliqués. Puis, chaque partenaire se présentera son organisation, son île et les grandes problématiques liées à l'assainissement dans son île.
Et on terminera notre matinée par un vote officiel sur le choix du logo. Je vous remercie. Donc, dans l'ordre de passage, dans l'ordre de passage, je vais maintenant accueillir Michela Adin, directrice générale de l'Office de l'eau Martinique, pour le petit mot d'accueil. Madame la directrice, je vais couper mon micro pour que vous puissiez ouvrir le vôtre. Merci Yaël. Merci, bienvenue à tout le monde. Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir à ce séminaire virtuel. En principe, nous devrions, hors Covid, nous retrouver tous dans une belle salle en Martinique, en visu et physiquement, mais nous avons dû nous adapter. Et même si c'est complexe en termes d'organisation, je pense que rien ne nous empêchera de pouvoir réussir cette première rencontre ce matin. Donc, je vais de manière succincte vous présenter l'Office de l'eau Martinique et vous dire également, enfin, les Offices de l'eau Martinique et Guadeloupe. Donc, Office de l'eau Martinique, établissement public local créé en 2002, nous comptons aujourd'hui 29 agents. Et pour ce qui concerne la Guadeloupe, hein, la date de création, c'est donc 2006, avec un total de 17 agents. Les offices de l'eau d'outre-mer, et donc singulièrement Martinique-Guadeloupe, nous avons donc les mêmes missions. Donc, la première mission concerne l'information, la formation et la sensibilisation de la population ainsi que des acteurs de l'eau. Nous appuyons également et nous accueillons techniquement les territoires et singulièrement pour la Martinique, les établissements publics de coopération internationale, les EPCI. Et nous venons également, pour une grande part, subventionner les projets structurants par le biais de la redevance, qui est en fait un impôt que nous collectons par le biais de la facturation de l'eau. Nous avons également la lourde tâche de développer la connaissance sur les milieux aquatiques et marins. Et pour ce faire, nous sommes en lien et nous faisons un certain nombre de rapportages au niveau national, mais également au niveau de l'Europe, notamment dans le cadre de la directive cadre européenne. Enfin, nous avons donc la mission de coopérer avec les partenaires régionaux et internationaux. Et donc ce matin, en l'occurrence, nous sommes bien dans le cadre de cette mission de coopération par rapport à ce projet Carifsan qui va vous être présenté. Nous avons un cadre légal dans lequel nous évoluons lorsque nous travaillons sur la coopération. Il s'agit de la loi Oudès-Santini qui nous permet chaque année de consacrer 1% de notre budget donc à nos actions de coopération. Elles peuvent s'inscrire soit dans le cadre d'une coopération institutionnelle, c'est-à-dire d'échanges de pratiques ou de rencontres, y compris au niveau politique, mais elles peuvent également s'inscrire, comme c'est le cas dans le projet Carifsan, dans le cadre d'une coopération qu'on appelle décentralisée, c'est-à-dire qui vient chercher de l'action concrète avec nos partenaires régionaux. Je veux dire également que cette action de coopération s'inscrit dans notre SDAGE et donc elle vient bien d'une volonté politique qui émane de nos comités de l'eau et de la biodiversité qui représentent en quelque sorte pour nous en France nos gouvernements locaux de l'eau. L'Office de l'eau Martinique
compte également un certain nombre d'expériences dans la Caraïbe, notamment en Haïti. De manière très concrète, nous avons pu développer des actions, une action en particulier avec la ville de Thiot, avec la distribution d'eau potable, mais également avec Cuba. Nous avons pu avoir un certain nombre d'expériences de terrain et d'échanges institutionnels. Et donc, nous avons un intérêt très important pour le partage de ces expériences. CaribSan, puisque c'est ce dont il s'agit ce matin, est une idée originale de l'ODE Martinique, qui est venue chercher son partenaire ODE Guadeloupe, mais également l'OIO, qui sera, vous allez le voir, ça va être présenté et développé dans la matinée, notre bras armé. Et donc, nous avons accepté une position donc, de chef de file pour la conduite de ce projet. Je vais m'arrêter là pour cette première présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la Directrice. Je vais maintenant passer la parole au ministre représentant de la Dominique, Monsieur Sénateur et Honorable Cassani Laville. Monsieur Cassani Laville, êtes-vous parmi nous? On est très nombreux à l'écran, donc on ne peut pas voir tous les participants. On est déjà une cinquantaine et c'est déjà une très bonne nouvelle. Est-ce que monsieur le représentant de la Dominique peut ouvrir son micro? Monsieur le ministre. Merci, thank you. Alors, Mr. Lucien Salivar. Voilà, je vous vois, monsieur. Mr. Lucien Salivar, President. Est-ce que tout le monde a chargé le lien pour avoir la traduction automatique? On avait fourni tous les liens. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à appeler le numéro de l'outline ou de le mettre sur le chat. Alors, Monsieur Cassani, votre micro est fermé. Could you open your mic, please? Alors. Hello? Monsieur Cassani. Mr. Cassani, could you hear me? Yes. Can you hear me? Okay. Thank you. It's very low. We can't hear you. Okay. 1 second. We can see you. Okay. Can you hear me now? Yes. Very low. Yes. What about now? Very good. With the sound, would you want to that we give you a little time just to get better situation? Tell me now. Can you hear me clearly now? Yes, I can hear you. Okay. Yes, I can hear you now. Yes, I can hear you now. All right. Thank you. Okay. Okay. Could you speak, please? Mr. Lucien Saliba, President of Martinique Water Office. Mr. Edmond Regis, General Manager of WASCO, and his delegation of governmental from Dominica, Cuba, Martinique, and St. Lucia. Mr. Bernard Etinoff, General Manager of WASCO, and his delegation. Mr. Ignatius Jean, Executive Director of CAWASA. Official representatives from the EU Interreg, AFD, OIEAU, ODI Guadeloupe, INRH of Cuba. Bonjour, buenos dias, good morning, and greetings from Dominica. It gives me great pleasure to join you with our partners in the water and sanitation sector in the Caribbean and France this morning on the occasion of the launch of CaribSan project. On behalf of the people and government of the Commonwealth of Dominica, I would like to express our sincere thanks to the initiators of this project and the sponsors, particularly the European Union Interreg Program and International Water Office of France and the Water Offices of Martinique and Guadeloupe and the AFD.
Water and sanitation and hygiene are fundamental to human development. We pride ourselves in Dominica and the Caribbean for having made good progress towards achieving Sustainable Development Goal 6, water and sanitation for all by 2030. As we strive to build resilient countries, we are cognizant that healthy citizens and healthy environments are critical in that process. It is imperative that our people must have better access to sanitation and water to maintain good health, that in turn promotes a more productive workforce who can live more fully and contribute more to society. This significance of this Carib Sand project cannot be understated, as it is not often that we have participated in multi-state, multi-agency, and multilingual partnerships focusing on wastewater. We anticipate that this will be a seamless collaboration, as we have had a long history of working and living with the French overseas departments, being well placed between our friendly sister territories, Martinique and Guadeloupe, as well as our kinship with St. Lucia, and decades of friendship and cooperation with the good people and government of Cuba. It is easy to understand why Dominica is the nature isle. However, for this to remain that way, we must actively work to promote and preserve our natural and built environment by carefully integrating the two. It is with this mindset that we have set a target to be the world's first climate resilient nation within this decade. This will allow maximum economic, social, and environmental benefits for our people and the people of the region. So this Carib Sand project appears to be aligned perfectly with our national goals, and I am excited about the prospects. As the minister with responsibility for Dominica Water and Sewage Company, DOASCO, we commend this partnership, which seeks to promote an alternative to wastewater treatment through the use of constructed wetlands for wastewater treatment and to disseminate knowledge on this technique. All development is about people, and there is no better way to transfer technologies than through such peer-to-peer exchanges among the people in our utilities, our operators. This is a prime opportunity for our operators at DOASCO to learn from their peers at WASCO, the water offices of Martinique and Guadeloupe, and the INHR of Cuba. While we have made very good progress with bringing water to all and ensuring improved sewage management in the country, our progress in the sanitation sector has not kept pace as we have to water access. We trust that this Carib Sand project will assist us in some critical areas, such as data collection on each territory, consultation with stakeholders, elaboration of a co-constructive wetland methods with DOASCO, testing of the method at the local level, updating the selection criteria for plant species in the consultation with local biodiversity experts, identification of biodiversity preservation challenges in order to adapt the design of the constructed wetlands to maintain important species habitat. And I'm sure that there are many other critical areas for assistance and knowledge transfer. I know that I would be speaking to the converted if I were to say that water and sanitation hygiene, WASH, as we say, is the first line of defense against COVID-19. And as many other diseases, as well as preventing the spread of antimicrobial resistance, which is growing in importance as a global threat. I therefore take the opportunity to salute our workers in the water and sewage sector who have been the frontline workers of this war on COVID-19 for their courage and patriotism. This COVID-19 pandemic has reiterated the maxim that no one must be left behind. When some people are left unprotected, it leaves all of us at risk. We must look out for each other. As we seek to minimize pollution of our natural waterways and coastal waters, it's our hope that the models already tested by the water offices in Martinique and Guadeloupe
will assist us in carefully monitoring the biological and chemical processes in cleaning wastewater before it is returned to natural waterways. Consistent with our development thrust in Dominica, we believe that there is the necessity for new infrastructure that will meet the requirements for water treatment and sanitation. Nature-based solutions on a nature isle are a natural fit. Nature-based solutions, and specifically the eco-friendly technology of constructed wetlands, appear as an ideal option that can provide the desired added value to ecosystem services and promote water circulation in our country. I take this opportunity to congratulate all associated countries and partners, the organizing team, and participating utilities on the successful launch of the Karibsand project, and assure you of our commitment to working with all stakeholders for results that will impact all of our people. Thank you very much. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce discours très chaleureux et plein de bonnes ondes positives pour la suite. Je vais maintenant demander au ministre représentant de Sainte-Lucie de bien vouloir se connecter. Donc j'appelle Monsieur Ivor Daniel. Alors, j'ai noté, en attendant que Monsieur Ivor Daniel se connecte, j'ai noté aussi qu'il y avait pas mal de problèmes de traduction. Donc, je rappelle que Interprefy est en ligne. Il n'y a pas forcément besoin de télécharger l'application. Reprenez le mail que Virginie Clérema vous a envoyé vendredi. Et dans le lien est dans le chat. Et il faut que vous connectiez à Interprefy, que vous choisissiez votre langue. Et normalement, vous devriez entendre parler une langue plus courante. Alors, il y a un problème, effectivement, de volume qui est mélangé. C'est-à-dire qu'il faut couper le volume et ouvrir le volume d'Interprefy pour pouvoir avoir sa langue. Sinon, les deux volumes sont mélangés. Avant de passer au second discours, est-ce que globalement, tout le monde nous entend? Très bien. Est-ce que M. Ivor Daniel peut prendre la parole, s'il vous plaît? Monsieur le ministre de Sainte-Lucie. Yes, I am with you. Good morning. Bienvenue, morning, Monsieur le ministre. Can you hear me? Oui, yes, we can hear you. And you? Yes, I. Perfect. Right. Okay, you can hear me now? I think I did cut off. I'm trying to use the volume as you indicated. Okay. Okay. All right. I think I'm on now. Yes, you can go. We can listen to you. Yes. Can you? Any feedback? You good? Okay. You with me now? Yes, perfectly. Okay, excellent. Okay, excellent. Right. Mr. Lucien Saliba, President of Water, Martinique Water Office. Let me recognize Senator Honorable Castani Laville of Dominica, other government officials from Dominica, Cuba, Martinique, and St. Lucia, Mr. Edmund Regis, General Manager of WASCO, and his delegation, Mr. Bernard Etinoff, General Manager of WASA and his delegation, Mr. Ignatius Jean, Executive Director of CAWASA, official representatives from the EU Interreg, AFD, OEIAU, ODE, Guadeloupe, INRH of Cuba. Good morning, buenos dias, bonjour, tout le monde. The government of St. Lucia is indeed pleased, and I must indicate just to extend a
apologies on behalf of Honorable Stevenson King, who is unable to join us, so I am delivering his remarks on his behalf. Okay. The government of St. Lucia is pleased to be associated with the launch of Caribbean Sanitation Nature, CAIPSAN project funded by the European Union Interreg Program, the International Water Office of France, and the Water Offices of Martinique and Guadeloupe. We also welcome the opportunity to collaborate with our neighbors from the French Overseas Departments in the Caribbean, Martinique and Guadeloupe, one of our associate members of the Organization of Eastern Caribbean States, the OECS, and our other Caribbean counterpart. Welcome, Dominica. Dominica and St. Lucia, we do have a very good relationship. It is also of great honor to welcome the Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos NIRH of Cuba in our midst for this landmark project. In 2018, the government of St. Lucia and WASCO joined other Caribbean countries at a high-level forum of ministers responsible for water at the Caribbean Water and Wastewater Association's annual conference in Jamaica, at which the HLF adopted the regional strategic plan for governance and building resilience in the water sector in the Caribbean, the RSAP. A key objective of the CAIPSAN project is to promote constructed wetlands for wastewater treatment and disseminate knowledge on this technique. This objective appears to be consistent with the provision of the RSAP, which includes Sea Activity 4.2.2, where it seeks to effective management of wastewater, including its use as a resource in sectors such as tourism, landscape irrigation and agriculture, irrigation and fertilizer. RSAP Activity 5.2.1, where it seeks to develop and execute a training program at the national and regional levels to improve technical capacity in the government, the utility, and the private sector to understand and manage climate impacts on the water sector. This is also consistent with the global objective of attaining the UN Sustainable Development Goal number 6, which is to ensure access to water and sanitation for all. It is my understanding that the constructed wetlands concept was successfully undertaken in Martinique since 2017. Given our historical and geographic linkages with the French Antilles, we thank the ODE for sharing their experiences with us. Enhanced international cooperation is crucial for all countries to combat climate change. As a complementary way to address this global challenge, peer-to-peer partnerships in water and sanitation sector is necessary for undertaking traditional and innovative mitigation and adaptation modalities. This is a timely intervention, which is consistent with the policy of the government of St. Lucia, as articulated in its party election 2021 manifesto promise, putting people first, where it is stated on page 18, and I quote, "As a small developing state, it is imperative that the protection of our environment, the efficient use of resources, and social inclusion remain an integral part of our development strategies if we are to have a sustainable economy. And a Labour government will commit to doing the following: help create a national culture that appreciates the inescapable link between human needs and environmental imperatives if we are to secure a sustainable development," unquote. The consequences of climate change affect the life and resources of people globally in many ways, but its impact are particularly dire for us in the Caribbean, one of the most vulnerable regions in the world. Water and sanitation utilities are on the front lines of these challenges. Utilities are essential to meet the SDGs, particularly number 6, by delivering safe, affordable, accessible, and sufficient water, in addition to improving water quality, water efficiency, watershed protection, and sanitation. The importance of treating wastewater extends beyond human and ecosystem health. It can contribute to the long-term economic viability of our Caribbean economies due to our dependence upon the coastal tourism and fisheries industries. We welcome the opportunity for our operators at WASCO
to be mentored in the use of alternative technologies in wastewater treatment, such as constructed wetlands. This technology will be used as part of a treatment process for wastewater to contain or degrade pollutants where land is available. A key benefit of implementing such a natural treatment system for wastewater treatment can be the lower capital and operation and maintenance costs than other physical and chemical gray wastewater treatment technologies. In addition, there is the potential for co-benefits such as the creation of habitat, carbon storage, and the provision of recreational opportunities, example, bird watching. We are determined to confront the many challenges we face with wastewater management in St. Lucia. We are hopeful that this collaboration will support our strategic approach to achieve universal wastewater management on island, based on public health and environmental quality goals with specific wastewater management solutions to the different zones and problems of the island, where both conventional sewage systems and alternative wastewater treatment and final disposal could be a solution for our dense urban areas as well as our coastal communities. During the life of the project, feedback, sharing of experiences, and lessons learned from a diverse group of stakeholders will assist us in assessing our situation and help inform future actions. Actions that will benefit the participating countries and the utilities in particular, and the Caribbean in general. The government of St. Lucia congratulates the organizing team and the participating utilities on successful launch of the Caribson project, and reaffirms our commitment to working with all stakeholders for the success of this project. I thank you. Thank you very much. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Vous m'entendez? Oui. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce discours très encourageant pour le projet. Je vais maintenant demander à nos amis cubains de bien vouloir ouvrir leur micro et on va accueillir Monsieur Fermín Sardoui Quintanilla. Buenos días. Sí, ¿me escuchan bien ahora desde Cuba? Sí, podemos oír vosotros. Bueno, muy buenos días a todos los participantes en este importante seminario de inicio de proyecto. Muchas gracias, Michelle Alain, directora general de la Oficina del Agua de Martinica. No sé si me están escuchando, no tengo el retorno del intercambio. ¿Me escuchan bien? Oui, todo el mundo vos entiende, très bien. Oui, ça marche bien, merci. Sí, se les escucha. Ya bien. Bueno, retomo entonces. ¿Bien? Bien, gracias reiterada a Michelle Adain por su presentación y por el inicio del proyecto. También gracias a los representantes de Martinica, de Guadalupe, de Santa Lucía y de Dominica. Especialmente recuerdo en las palabras del señor Ivo Daniel de Santa Lucía el memorándum de entendimiento que iniciamos recientemente con Santa Lucía y también agradezco este recuerdo porque específicamente es muy importante que este proyecto nos permita reencontrar y reiniciar la cooperación que en el ámbito bilateral habíamos iniciado entonces. Para Cuba es muy importante la participación en este proyecto. Cuba realiza importantes esfuerzos por mejorar los indicadores de saneamiento, los cuales constituyen una prioridad en la política nacional del agua
aprobada desde el 2012 por el Consejo Ministro de la República de Cuba. Cuba y el INRH en particular agradece la cooperación de la Oficina Internacional del Agua de Francia con acciones exitosas que estamos llevando a cabo desde hace ya varios años. Ahora, con el proyecto Carizán, se promueve una integración para el intercambio de experiencias que, de alguna manera, en el ámbito bilateral habíamos iniciado con varios países del Caribe, y el proyecto permitirá integrarnos mucho más en este ámbito. Este proyecto se sumará a los esfuerzos nacionales que realiza Cuba y permitirá desarrollar la tecnología de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales, cuya transferencia de tecnología después nos permitirá de extender esta experiencia a otras zonas de Cuba y a otros proyectos en los que estamos desarrollando con mucha rapidez la realización de nuevas sistemas de tratamiento de residuales urbanos en Cuba. Reitero las gracias por la oportunidad, y en Cuba y en especial con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos cuenten que contamos con un equipo entusiasta con muchas expectativas para llevar adelante el proyecto, y también en este equipo estará integrada universidades y otros centros de investigaciones científicas en el cual se pueden aportar importantes conocimientos al proyecto. Muchas gracias a todos. Sí. Bueno, gracias, Fermín. Merci pour cette coopération. Alors, vous êtes peut-être les plus loin de la Martinique, mais vous êtes en tout cas très proches dans notre collaboration. On a passé beaucoup de temps ensemble à préparer ce séminaire d'aujourd'hui. Je vais maintenant demander à la présidente de l'Office de l'eau de Guadeloupe, Madame Amireille Jomy, de bien vouloir prendre la parole. Merci, bonjour à tous. Isabelle Amireille Jomy, conseillère départementale déléguée, présidente déléguée de l'Office de l'eau de la Guadeloupe. Monsieur l'honorable sénateur Cassini Laville du ministère des Travaux publics et de l'économie numérique du gouvernement du Commonwealth de Dominique, monsieur le secrétaire permanent au ministère des Infrastructures et du Renouvellement urbain de Sainte-Lucie, monsieur le représentant de Cuba, monsieur le président de l'Office de l'eau Martinique, chers confrères, mesdames et messieurs les représentants de l'Union européenne, mesdames et messieurs les représentants de la France, du ministère des Outre-mer, mesdames et messieurs les attachés d'ambassade de France, monsieur le directeur de l'international de l'INRH, monsieur le directeur de la WASCO, monsieur le directeur de la DOWASCO, monsieur le directeur de la CAWASA, monsieur le directeur régional de l'Agence française du développement, monsieur le directeur de l'INRAE, monsieur le directeur général de l'Office international de l'eau, madame la représentante du préfet de Martinique, madame la conseillère de la coopération régionale française, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. L'Office de l'eau Guadeloupe, établissement public local adossé au conseil départemental, a pour mission, entre autres, de fédérer les actions menées dans le cadre de la politique globale de l'eau définie par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. L'Office de l'eau Guadeloupe, après avoir été partenaire dès 2014 du projet Attentive, assainissement des eaux usées adaptées au contexte tropical par traitement extensif utilisant des végétaux, est aujourd'hui partenaire du projet Caribsan. Notre objectif, à travers ce partenariat, est certes de contribuer à la promotion à travers la Caraïbe de filières d'assainissement de type filtre planté de roseaux pour le contexte tropical, mais aussi d'apprendre des expériences de nos voisins caribéens. Nous sommes si proches et à la fois si loin. En effet, ces techniques sur lesquelles nous nous proposons de travailler ensemble
peuvent s'implanter tant en milieu humide qu'en zone sèche. Elles sont le fruit d'un partenariat gagnant-gagnant entre acteurs de l'eau, centres de recherche et entrepreneurs de travaux publics. La question de l'assainissement est particulièrement prégnante sur notre territoire. Ainsi, en Guadeloupe, malgré près de 300 stations d'épuration de petite taille, mais aussi 18 stations de plus de 200 équivalents habitants, le traitement des eaux usées reste un sujet de premier ordre. Nous avons observé que les difficultés de maintien de bon état de fonctionnement des ouvrages d'épuration sont nombreuses, et ce, quelle que soit leur taille. Dès lors, il apparaît pertinent de travailler sur des solutions techniques plus adaptées et répondant aux contraintes de nos territoires et au développement durable. Le projet Caribsan est piloté par l'Office de l'eau de la Martinique, en présence duquel nous avons signé une convention avec l'Office international de l'eau et a bénéficié d'une intervention Interreg. L'Office de l'eau Guadeloupe accompagnera donc les partenaires dans cet échange d'expériences et dans le suivi expérimental du projet, conformément à la convention de consortium du projet. Les technologies extensives, comme les filtres plantés de végétaux, réputés pour leur robustesse et leur simplicité d'exploitation, trouveront, nous l'espérons, de nombreuses applications. Afin de transmettre, développer, pérenniser ce savoir-faire, basé entre autres sur l'utilisation de matériaux locaux, la promotion de ce type de procédé dans notre région caribéenne s'avère nécessaire. Avec un tel projet multipartenarial écologique, nous avons comme ambition d'inscrire la Caraïbe dans une démarche d'économie sobre dont se félicite l'Office de l'eau de la Guadeloupe. Je formule donc le vœu que cette démarche contribue à nous rapprocher tous, autant que nous sommes, de la Dominique, de Sainte-Lucie, de Cuba, de Martinique, dans l'intérêt du développement durable de notre grande région caribéenne. Chaque fois qu'il en sera ainsi, l'Office de l'eau Guadeloupe sera, comme hier, comme aujourd'hui, à vos côtés. Je vous souhaite une fructueuse matinée de travaux et d'échanges. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la Présidente. Je vais continuer cette première partie de discours en demandant à Monsieur Gilles Bajazé de bien vouloir se connecter, ouvrir son micro et prendre la parole. Monsieur Bajazé est le représentant du programme européen Interreg Caraïbes. Bonjour à tous. Le protocole est interne, je ne vais pas vous citer tous nommément. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble des participants ainsi que les porteurs de ce projet Caribsan pour l'invitation qui m'est faite aujourd'hui de pouvoir parler du programme Interreg Caraïbes. Je souhaite aussi vous féliciter puisque j'ai coutume de dire qu'un projet Interreg est une aventure, un projet Interreg se mérite. Et c'est vrai que vous avez assez brillamment passé cette première étape, en étant programmé sur ce PO Interreg Caraïbes. Je sais que ça n'a pas été facile. On a eu à échanger longuement, intensément sur l'ingénierie du projet. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir pu programmer ce beau projet Caribsan. Donc, c'est un sentiment de fierté qui m'anime, fierté d'avoir pu contribuer à notre niveau au lancement de ce projet. Il s'agit d'un projet important puisqu'il répond à plusieurs enjeux. L'enjeu du changement climatique, l'enjeu de l'accès à l'eau, qui est une ressource essentielle, l'enjeu à l'assainissement de cette eau, l'enjeu aussi de préservation de l'environnement. Donc, il s'agit d'un projet qui part cet objectif est assez structurant et qui cadre parfaitement avec le type de projet que nous voulons voir financé sur le programme Interreg Caraïbes. Je voudrais aussi rappeler que du point de vue du programme Interreg Caraïbes, l'aventure n'a fait que commencer puisque la programmation n'est que la première étape. Il vous appartiendra ensuite à décliner ce projet avec brio et avec efficacité.
et je renouvelle le soutien et l'appui du secrétariat conjoint du programme Intérêt Caraïbes ainsi que de l'autorité de gestion dans tout le processus de mise en œuvre. Vous avez effectivement un certain nombre de work package, un certain nombre d'objectifs à atteindre et on ne souhaite pas vous laisser seul les mettre en œuvre et on vous renouvelle notre appui et notre soutien. Vous avez chez nous un référent qui va suivre ce projet de manière très, très, très précise, mais on est là pour vous appuyer. Je voudrais aussi dire que ce projet arrive à un moment un peu charnière, puisqu'il arrive au moment où le programme Interreg 2014-2020 se clôture et au moment où va être lancé le futur programme Interreg pour la période 2021-2027. Donc, je sais qu'il s'agit aujourd'hui d'un projet pilote qui vise à, avec un cercle de partenaires relativement important mais restreint, à identifier les modalités d'implantation des filtres pour planter de végétaux. Je pense savoir que ce projet est censé avoir une suite beaucoup plus opérationnelle à l'avenir, notamment dans le cadre du programme Interreg 2021-2027. Donc, je vous renouvelle mon soutien, je vous renouvelle l'appui du secrétariat conjoint dans tout le processus de mise en œuvre de ce projet, dans tout le processus aussi d'élaboration du futur programme. Et je vous le répète, nous sommes à votre disposition pour vous apporter l'appui nécessaire. Donc, je ne saurais que vous dire bonne chance pour ce beau projet. Je sais qu'il va être mis en place dans des délais relativement contraints. Donc, bonne chance pour l'atteinte des résultats. Et je renouvelle la fierté du programme Interreg Caraïbes, de l'autorité de gestion, ainsi que de l'Union européenne de manière générale, d'accompagner ce beau projet et de contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Merci et très bonne réunion de lancement. Merci, Monsieur Benajazé, pour vos mots d'accueil. Je vais proposer une très courte pause avec un petit intermède. Donc, on va vous faire apparaître, comme on vous l'avait dit en début de session, les choix de logo pour lesquels il faudra voter à la fin de la séance. Donc, on vous les met de manière visuelle. Pour l'instant, l'avis n'est pas à donner maintenant, mais pour que vous puissiez vous en imprégner. Et au moment du choix du vote, Monsieur Seguin pourra présenter, dont il est l'auteur d'ailleurs, c'est notre artiste dans l'équipe, il pourra présenter en partie un peu la signification de ces trois logos, sachant que ce sont des propositions. Évidemment, on est ouvert à l'amélioration. Ils seront travaillés par des communicants professionnels sans problème. Voilà. Donc, je vous propose 5 minutes de pause, et nous nous retrouvons... Mes excuses, j'ai pas l'expérience d'animer. Et nous nous retrouvons dans 5 minutes, c'est-à-dire à 9h57. Je vous remercie. Ne vous déconnectez pas, hein. On met bien à l'écran le logo, restez avec nous. C'est 5 minutes pour aller prendre son petit café ou autre chose, mais restez avec nous. Bonjour, je ne sais pas si vous voyez les logos à l'écran. Je peux vous dire un mot pour ceux qui, les courageux qui ne vont pas en pause, vous dire un premier mot sur ces logos. L'idée a été déjà de, pour les trois logos, il y a le même trois aspects qui sont communs. C'est d'abord l'oiseau de paradis a été retenu comme symbole du projet, puisque c'est l'espèce qui est considérée comme la plus intéressante pour les filtres plantés de végétaux pour le traitement des eaux usées domestiques en milieu tropical, Heliconia ptittacorum. Donc c'est l'oiseau de paradis qu'on retrouve dans les trois propositions de logo.
Alors ensuite, l'autre point commun, c'est qu'on a voulu garder une gamme de couleurs caribéennes. Les drapeaux sont différents et il y a une gamme caribéenne qui ressort souvent chez les décorateurs. Puis l'autre aspect, c'est que l'écriture du nom du projet Caribsan est en majuscule. C'est un projet majuscule, il mérite bien des majuscules. La première proposition montre l'oiseau de paradis en bleu, car il permet de rendre l'eau plus claire, notamment grâce à ses feuilles, siège de la photosynthèse et donc de la croissance des plantes. Dans le deuxième logo, la fleur de l'oiseau de paradis apparaît plus nettement dans sa splendeur et découpe un cercle qui, de gauche vers la droite, le sens de la lecture, transforme l'eau usée en eau plus propre. C'est une symbolique assez simple et avec un certain côté esthétique dû à un détail plus important dans la fleur. Et la troisième proposition, nous sommes toujours avec notre oiseau de paradis, toujours dans la gamme de couleurs caribéennes, mais ces quatre oiseaux de paradis symbolisent la coopération, le partenariat fort qui est en train de se créer ce matin, se mettre en œuvre ce matin, entre les quatre États concernés. Voilà les idées qu'on voulait vous proposer. Ce sont des brouillons de logos que nous vous soumettrons au cours des différentes pauses et pour lesquelles on vous demandera de voter à la fin de la matinée. Merci. Ladies and gentlemen, señores y señores, nous allons pouvoir reprendre la séance. Est-ce que tout le monde m'entend? Je veux bien quelques petites mains levées pour me signifier que tout le monde m'entend. Voilà, merci pour Monsieur Tardieu. Ok, très bien, merci. Alors, après cette intermède, alors il y a Dominique Laban a demandé la parole, le directeur de l'Office de l'eau Guadeloupe. Je vous écoute, Monsieur Laban. Il n'y a plus ceci. Je vous laisse regarder que je vous entends bien. Oui. Monsieur Laban, vous avez la parole. Je voulais simplement signaler que j'arrive bien. Alors, votre son est de mauvaise qualité, je ne vous entends pas du tout. Moi, je vous entends très bien. Alors, dites-nous, quelle est votre question? Non, je n'ai pas de question, vous avez demandé ce qu'on vous entendait. Bon, je vous invite à donner votre information sur le chat, peut-être on va essayer d'y répondre. Ensuite, il y a aussi plusieurs prises de parole, Monsieur Marcelin, Monsieur Seguin. Philippe Seguin. Non. Alors, il faut baisser sa main. Pardon. Voilà. Alors, Ignatius. Ignatius, vous avez levé la main pour parler. Oui, nous vous écoutons. No, my hand. I want to keep my presence. I'm okay. Okay, perfect. Thank you. Monsieur Laban, oui, la main est baissée, elle est relevée. Vous voulez essayer de refaire un essai? Non, pas du tout. Non, vraiment le. Alors, j'ai compris que vous nous entendiez, c'est ça? Mais nous, on ne vous entend pas très bien. Très bien. Bon, ben, vous avez confirmé que vous nous entendiez, c'est une bonne chose. Très bien. Merci pour vos retours. Nous allons reprendre le fil des discours. Alors, je vous demanderai de couper votre micro. Bon, je le désactive. Nous allons reprendre le fil des discours et nous accueillons Monsieur Philippe Lacognata, directeur de l'Atlantique pour l'Agence française de développement. Monsieur Lacognata, je vous en prie. Vous m'entendez?
Parfaitement, oui. Merci. Oui. Très bien, vous voyez, vous m'entendez, parfait. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Messieurs les ministres de Sainte-Lucie, de la Dominique, monsieur le haut représentant de Cuba, mesdames et messieurs les représentants des ODE, de l'OIO, de l'Interreg, de l'INRAE, tous ceux que je peux oublier, chers collègues et amis, très heureux d'être parmi vous ce matin pour assister au lancement de ce beau projet Interreg Caribsan. Comme vous le savez, l'AFD, Banque publique de développement, intervient aussi bien dans nos Outre-mer que dans les États étrangers de la région. Chaque année, hein, dans la région atlantique que nous couvrons, à partir de la direction régionale qui est basée en Martinique, nous finançons des investissements publics et privés pour environ 500 millions d'euros pour accompagner la mise en place des objectifs de développement durable. C'est donc dans l'ADN de l'AFD que de participer à favoriser les coopérations régionales entre nos territoires d'outre-mer et leurs voisins de la Caraïbe, avec lesquels nous partageons les mêmes enjeux climatiques, de biodiversité. Quelqu'un de laisser sur l'écran vert. Excusez-moi, monsieur Lacunette, je vous prie. Je vous demanderai de bien... Parce que moi, je peux fermer tous les micros, alors je vais peut-être faire ça. C'est bon. C'est bon. Il y a encore un micro ouvert. Là, ça a l'air. Moi, je m'entends en écran. Allez-y, je vous en prie. Merci. D'accord, très bien. Je disais que c'est donc dans l'ADN de l'AFD que de participer à favoriser la coopération régionale entre nos territoires d'outre-mer et leurs voisins de la Caraïbe, avec lesquels nous partageons les mêmes enjeux climatiques, de biodiversité, etc. Et donc, les collectivités françaises d'outre-mer peuvent contribuer à apporter des solutions régionales à des enjeux environnementaux, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Pour l'AFD, il s'agit du premier projet à caractère régional dans le secteur de l'assainissement dans la Caraïbe, à travers une enveloppe de ressources que nous avons été chercher auprès du ministère des Finances français, ce qu'on appelle les FEXT, qui permettent de renforcer les aspects techniques de la coopération et l'expertise et les échanges d'expertise entre les territoires français et leurs pays voisins. Les offices de l'eau français de Martinique et de Guadeloupe ont mis au point un procédé très intéressant de filtre planté de végétaux pour le traitement des eaux usées qui peut être déployé dans la Caraïbe. L'AFD évidemment soutient à travers sa contribution ce partage de technologies avec Cuba, la Dominique et Sainte-Lucie, trois pays où l'AFD est autorisé à intervenir dans la région. La gestion des eaux usées, les intervenants précédents l'ont bien rappelé, hein, est un enjeu majeur dans la Caraïbe, où la protection des eaux océans et de leurs ressources est un impératif. Le processus proposé par le projet Caribsan est une solution fondée sur la nature qui permet de rejeter de l'eau purifiée sans nuire à l'environnement et surtout selon des modalités financières tout à fait raisonnables et adaptées à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc voilà en quelques mots l'état d'esprit qui nous anime. Encore bravo à tous ceux qui se sont mobilisés pour que ce projet régional voie le jour dans des délais finalement, vu de notre côté, des délais assez rapides. Donc je salue le travail des équipes qui sont sur ce projet depuis quelques mois maintenant. Je vous souhaite un plein succès dans cette belle aventure. Et comme le disait Gilles Bajazé tout à l'heure, nous serons à vos côtés tout au long de ce beau chemin pour vous accompagner lorsque vous en aurez besoin. Voilà. Merci. Merci. Merci, monsieur Lacognata, pour vos mots encourageants pour les équipes. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, je propose aux représentants de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agronomie, l'alimentation et l'environnement, de prendre la parole. Monsieur Schubert. Jean-Marc Schubert. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement bien, monsieur Schubert.
Bon, merci. Merci de me passer la parole. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité et je renouvelle le fait qu'INRAE est ravi de collaborer dans le cadre du projet CARIPSAN. Donc INRAE, c'est un institut de recherche récent puisqu'on a été créé début 2020 à l'issue de la fusion entre IRSTEA et l'INRA. Donc c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et ce sont 12 000 personnes réparties sur le territoire français qui construisent une recherche d'excellence au service de la production de connaissances. Donc, ce sont nos premières missions, au service de l'enseignement également, de l'innovation, en appui aux politiques publiques et pour accélérer les transitions en matière d'agriculture, d'environnement, d'alimentation et dans le but d'atteindre le plus rapidement possible les objectifs de développement durable. Donc l'unité de recherche Riversal qui est mobilisée sur le projet CARIPSAN aux côtés des autres partenaires, elle est située à Lyon Villeurbanne. Donc elle existe depuis un certain nombre d'années et elle mène des recherches pour préfigurer la station d'épuration de demain, dont les enjeux ont pas mal évolué ces dernières années. Donc il y a évidemment la réduction des émissions dans l'eau, dans l'air, vers les sols, mais également la valorisation. Pour participer à la bioéconomie, la valorisation des eaux avec la réutilisation des effluents en premier, mais également la production soit d'énergie, soit de matière que l'on peut remettre dans le cycle, et ce qui permettrait de limiter la pression sur les ressources du globe. Et puis, dernier enjeu, faire évoluer ce monde industriel vers une transition numérique. Alors depuis de nombreuses années, les chercheurs de Riversal créent des nouvelles connaissances pour mettre au point la filière de traitement que vous avez citée, la filière de traitement par fil planté de roseau. Et selon les différentes zones du globe, il faut adapter le végétal. Et donc ces recherches sont menées sous la houlette de mon collègue Pascal Moll. Nos équipes ont été très impliquées dans le développement de la technique de fil planté de roseaux et fil planté de végétaux pour le traitement des eaux résiduaires urbaines domestiques. D'abord en France et en métropole, et puis depuis de nombreuses années également dans les départements d'outre-mer. Voilà, donc je terminerai pour dire que nous espérons que la contribution d'INRAE et de l'unité de recherche Riversal, enfin on est certain qu'elle elle permettra d'étendre cette technologie de traitement des eaux usées qui fait appel aux solutions fondées sur la nature dans d'autres territoires, et comme les territoires de la Caraïbe. Alors, je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite vraiment de super échanges scientifiques et techniques à tout au groupe projet. Merci. Merci Monsieur Schubert pour vos mots encourageants. Nous allons maintenant passer la parole au directeur général de l'Office international de l'eau, l'OIO. Éric Tardieu, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends fort bien, j'espère que c'est la même chose de votre côté. Alors moi je vous entends bien, le système de traduction a priori ça a l'air de marcher, donc vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les hauts représentants des États de Cuba, de la Dominique, de Sainte-Lucie, de France, de l'Union européenne, Madame la vice-présidente de l'Office de l'eau de Guadeloupe, Monsieur le président de l'Office de l'eau de la Martinique, Mesdames et messieurs les directeurs, chers collègues et amis, c'est un honneur particulier pour moi d'être avec vous ce matin pour la Caraïbe, en participant à ce séminaire de lancement. Je voudrais en premier lieu remercier Monsieur le Président de l'Office de l'eau Martinique et toutes ses équipes, puisque c'est grâce à vous, grâce à la confiance que vous nous faites, que ce choix d'OIO comme opérateur de l'ambitieux projet CARIPSAN a pu être fait. Soyez-en remerciés, nous nous montrerons à la hauteur de la confiance ainsi mise dans nos équipes. Nous avons travaillé depuis un certain nombre de mois avec l'Office de l'eau de Guadeloupe, avec l'INRAE, pour développer ce projet et pour le soumettre au financement
notamment des fonds européens et de l'AFD. Et évidemment, je remercie ces deux financeurs essentiels du projet pour le soutien qu'ils apportent. Là aussi, nous essaierons d'être à la hauteur de l'engagement. Notre partenariat entre Office international de l'eau et Office de l'eau Martinique n'est pas récent. Nous nous connaissons depuis longtemps, nous avons œuvré ensemble depuis longtemps et l'Office de l'eau de Martinique est un participant actif des activités du réseau international des organismes de bassin dont l'Office international de l'eau assure le secrétariat. Et j'en profite pour vous confirmer que les activités du RIOB sont à la disposition du projet CARIPSAN pour disséminer ces enseignements et pour faire rayonner l'initiative ainsi prise par les acteurs caribéens que vous représentez. De notre côté, Office international de l'eau, une équipe experte et très engagée sera mobilisée, à la fois pour nos activités de formation. Je vous rappelle que nous avons 30 formateurs permanents, des installations pédagogiques qui pourront être mobilisés sur ce sujet très technique qui va nous occuper à travers le projet CARIPSAN, mais également nous aurons à cœur de vous faire bénéficier de nos compétences d'animation de réseau et d'appui technique, d'appui institutionnel. Ce sont donc les équipes de Madame Stéphanie Laron, ici présente, qui prendra la parole tout à l'heure, qui seront mobilisées pour le projet. Nous sommes très heureux du contexte international de ce projet avec Cuba, la Dominique, Sainte-Lucie. Nous aurons à cœur de démontrer que les technologies du projet sont applicables dans des contextes différents, dans des pays différents. Et je relève au passage que notre histoire avec Cuba en particulier n'est elle aussi pas récente, puisque nous œuvrons avec l'INRH sur le déploiement de la gestion intégrée des ressources en eau dans un bassin pilote, Almendares-Bento. Et nous nous réjouissons de débuter en revanche une coopération avec la Dominique et Sainte-Lucie. L'intérêt technique du projet, vous l'avez en tête comme moi, et je confirme à travers notre expérience internationale combien les attentes sont fortes autour de l'adaptation de ces solutions fondées sur la nature, de ces filtres plantés de végétaux pour un enjeu de meilleure épuration des eaux usées qui est crucial dans la géographie caribéenne en matière de préservation de l'environnement, en matière de préservation de la santé des populations et je sais que nous aurons une belle contribution à l'objectif 6, à l'objectif de développement durable numéro 6. Un dernier point, nous avons bien conscience à l'Office international de l'eau de la vitesse soutenue à laquelle nous allons devoir mener ce projet. Nous allons nous y employer. Nous avons une attente forte aussi vis-à-vis de tous les partenaires, puisque le calendrier de ce projet CARIPSAN est très ambitieux, puisque avant la fin de l'année 2022, nous avons cet objectif de mise en place concrète de systèmes d'assainissement par filtre planté de végétaux dans les trois pays concernés. Nous en reparlerons tout au long du projet et je vous confirme que l'Office international de l'eau, ses équipes seront mobilisées tout au long de ce projet. Nous sommes impatients de débuter et nous sommes impatients d'honorer la confiance que vous mettez ainsi en nous. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur Tardieu, directeur général de l'Office international de l'eau. Nous allons passer donc au dernier discours de cette première partie de matinée par le discours officiel d'ouverture du séminaire CARIPSAN par Monsieur le Président de l'Office de l'eau Martinique, Monsieur Salibert. Merci, thank you, gracias. Buenos dias, good morning, bonjour et bel bonjour.
Monsieur l'honorable sénateur Kazani Laville du ministère des Travaux publics et de l'économie numérique du gouvernement du Commonwealth de la Dominique. Monsieur le secrétaire permanent au ministère des Infrastructures et du Renouvellement urbain de Sainte-Lucie. Monsieur le représentant de Cuba. Madame la présidente de l'Office de l'eau de la Guadeloupe. Chers consoeurs, mesdames et messieurs les représentants de l'Union européenne, mesdames et messieurs les représentants de la France du ministère des Outre-mer, mesdames et messieurs les attachés d'ambassade de France, monsieur le directeur de l'international de l'INRH, monsieur le directeur général de la WASCO, monsieur le directeur général de la DOASCO, monsieur le directeur de la CARWASA, monsieur le directeur régional de l'Agence française de développement, monsieur le directeur de l'INRAE, monsieur le directeur général de l'Office international de l'eau, madame, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Très chers partenaires, je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir virtuellement à l'Office de l'eau Martinique pour ce séminaire de lancement de ce beau projet de coopération qu'est CARIBSAN. CARIBSAN est un programme de coopération intercaraïbe sur l'assainissement piloté par l'Office de l'eau Martinique, l'ODE Martinique, est financé essentiellement par l'Europe au travers d'Interreg et par l'Agence française de développement. Il vise à promouvoir les filtres plantés de végétaux, FPV, comme technique de traitement des eaux usées, adaptée au contexte tropical, permettant ainsi de protéger et valoriser le patrimoine naturel local. En s'appuyant sur les expériences couronnées de succès qui ont été menées tant en Martinique qu'en Guadeloupe, il a pour vocation de favoriser l'implantation progressive de ces filtres plantés de végétaux dans la zone Caraïbe sur de nouveaux territoires pilotes, Cuba, Sainte-Lucie et la Dominique. Il s'agit de la première coopération financée par l'Europe sur l'assainissement qui inclut 5 pays de la Caraïbe. L'Office de l'eau Martinique, par sa mission institutionnelle, est investi dans les projets de coopération internationale depuis plusieurs années. Il y consacre 1% de son budget en conformité avec la réglementation et dans le respect des préconisations du Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique qui fait office de Parlement local de l'eau. Fort de son expérience en Haïti comme pilote de la coopération décentralisée avec les communes du Précheur et de Thiot, de son rôle central quant au développement de la filière de traitement des eaux usées par des filtres des plantes locales de les Antilles françaises, de sa préoccupation à apporter les actions concrètes de résilience au changement climatique qui soient compatibles avec les usages des milieux aquatiques. Enfin, de son rôle moteur dans la Caraïbe pour le partage d'expériences dans le domaine de l'eau. L'Office de l'eau Martinique a rapidement été désigné chef de file à notre plus grande satisfaction. Nous avons souhaité que CARIBSAN soit un véritable projet engagé, concret et solidaire entre Caraïbes. En s'appuyant sur l'opérateur Office international de l'eau, l'OIO, organisme rompu
à la mise en œuvre des projets complexes internationaux, l'ODE Martinique se donne aussi les moyens de réaliser une opération pragmatique, ambitieuse, novatrice et solidaire. Cet engagement est rendu possible par un financement conséquent européen via le programme Interreg Caraïbes pour 65% de l'opération, mais aussi grâce à l'appui de l'Agence française de développement ainsi qu'à l'aide de notre homologue guadeloupéen, l'Office de l'eau Guadeloupe. Je ne saurais passer sous silence, bien entendu, les opérateurs techniques qui seront mobilisés à nos côtés. L'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, les services d'eau et d'assainissement des pays partenaires, INRH, Wasco et Dovasco, et enfin l'association caribéenne Caroisa, un acteur essentiel pour huiler les mécanismes entre partenaires. Dans ce projet, nous avons recherché une réelle synergie avec les pays volontaires de la Caraïbe. Nous nous sommes alors tournés vers nos voisins les plus proches, Sainte-Lucie et la Dominique, mais aussi Cuba. En effet, notre territoire entretient depuis plus de 20 ans des liens d'amitié historiques avec Cuba, notamment autour d'une coopération entre les villes du Lamanté de Martinique et de Santiago de Cuba. L'Office de l'eau Martinique a conduit dès 2017 une première expérience fructueuse de coopération avec l'INRH à Cuba, avec une réelle volonté de travailler ensemble. Les domaines de réflexion et d'action sont multiples. Nos environnements insulaires tropicaux comparables et nos préoccupations et constats partagés. Nos voisins de la Dominique et de Sainte-Lucie, déjà partenaires au travers de conférences ou de missions d'expertise, ont eux aussi répondu présents à notre proposition. Le traitement des eaux usées par ce procédé écologique nous a semblé à tous une réelle opportunité de travailler ensemble dans le souci du bien-être de nos populations. Ce séminaire marque le lancement de ce projet CaribSan qui pourra, de toute évidence, non seulement protéger nos milieux aquatiques naturels, mais aussi améliorer la vie des Caraïbéens. Il en va de notre responsabilité pour les générations actuelles et futures. Je sais d'ores et déjà que nous saurons relever ce défi régional grâce à ce projet à la fois écologique, économique, efficace au service de la résilience au changement climatique. Je déclare donc officiellement ouvert ce séminaire de lancement de notre projet CaribSan et nous souhaite à toutes et à tous des travaux fructueux, pleins de réussite. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. J'ai reçu toute votre énergie. J'espère que tout le monde l'a reçu aussi. Voilà, donc on avait une petite animation, justement, qui accompagnait l'inauguration officielle. Donc, il faut passer la diapo suivante. Je crois que c'est à l'OIO que vous maîtrisez le PowerPoint. Alors, il faut passer deux diapos, encore une. Et on va même vous redonner le micro pour vous dire... On va le faire bien officiellement. Alors, allez-y. Voilà, alors, à vous tous, à PC, je vous souhaite donc une belle journée de travail, deux beaux jours d'ailleurs de travaux, excusez-moi. Et je coupe symboliquement ce ruban. Et c'est fait. Voilà. Alors, la diapo va arriver, mais il y a une... Voilà, la technique est parfois un peu plus lente que prévu. Mais voilà, nous avons donc
Voilà, on a des clac-clap, voilà, les gens applaudissent, super, on peut, voilà, on peut applaudir. C'est l'aboutissement, enfin le début du projet, mais c'est l'aboutissement déjà d'un travail qui dure depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment, enfin, à titre personnel, c'est une grande satisfaction. Voilà. Bonne coopération et bon travail. Merci. Alors, nous allons maintenant présenter le projet. Maintenant que nous avons terminé les discours officiels, je vais passer la parole à Virginie Clérima, qui est notre chargée de mission à l'OIO en charge de CAREPSAN, afin qu'elle puisse présenter en quelques diapos vraiment la genèse du projet. Les montants financiers, la gouvernance du projet et en quoi consiste le projet. Alors, en attendant que la diapo avance, parce que j'ai l'impression qu'on est bloqué sur le petit coupon d'inauguration, peut-être... est-ce qu'il faut couper peut-être le contrôle du PowerPoint et recommencer, relancer ? Bon, c'est les petits soucis techniques, mais en tout cas, on est quand même une quarantaine de gens connectés de 5 pays différents, et ça veut dire qu'on arrive tout de même à faire des choses, même si on est à distance. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on va repartager de nouveau. Est-ce que... Sinon, je prends la main, hein, c'est comme... Si tu veux, normalement, partage le même actif. Alors, hop, je peux repartager moi-même. On prend une 42, quelque chose. Voilà, je ne sais pas si là vous voyez, j'ai mis à l'écran mode hop. Est-ce que oui, non, ça n'a pas pris la main. Si. Ah on ne voit pas notre écran. Bon, très bien. Voilà, donc on fait, alors on remet à l'écran, alors c'est un petit break de 5 minutes, mais on reste toujours dans une pause active, on va dire. On remet à l'écran les logos qui vous sont proposés. Est-ce que Philippe, tu veux bien en profiter pour étayer un petit peu l'argumentation de ton choix artistique et de tes propositions ? Merci, Gaël. Alors, on t'écoute. Le choix qui a été fait pour les trois logos et le... Il y a trois caractéristiques qui sont communes aux trois logos. Premièrement, nous avons sélectionné les oiseaux de paradis, qui sont les plantes les plus intéressantes pour les filtres plantés de végétaux pour le traitement des eaux usées domestiques dans la Caraïbe. Nous avons retenu aussi une gamme de couleurs qui était une gamme de couleurs caribéenne, pour les trois logos. Et puis, nous avons retenu aussi comme point commun d'écrire CAREPSAN en majuscule parce que c'est un projet majuscule. Dans la proposition numéro 1, l'oiseau de paradis, la fleur de l'oiseau de paradis a déjà fait son travail, elle est bleue, elle a rendu l'eau plus claire et plus pure, mais grâce à ses feuilles qui sont le siège de la photosynthèse et le siège de la croissance des plantes. Le logo numéro 2, la fleur de l'oiseau de paradis apparaît dans sa splendeur avec un trait plus précis et elle transforme l'eau brune en eau claire par sa seule présence et sa seule activité. Ça, c'est le logo numéro 2. Et dans le logo numéro 3, la proposition est de pouvoir symboliser avec ces quatre fleurs la coopération et le partenariat qui est en train de se créer aujourd'hui autour de ce projet CAREPSAN. Voilà les propositions que nous souhaitions vous faire ce matin et nous vous demanderons à la fin de la matinée de pouvoir voter pour celles que vous préférez. Je vous remercie. Merci Philippe. Alors, je laisse encore quelques instants à l'écran. Il est 10h35. Allez, on se retrouve dans 2 minutes pour faire ce que vous avez à faire dans les 2 minutes. Merci, à tout de suite. Nous allons pouvoir reprendre la suite de notre séminaire. J'espère que tout le monde s'est bien reconnecté.
Je vous remercie. Donc, nous allons maintenant passer à la présentation du projet CARIPSAN. Donc, je vais couper mon micro et je vais laisser la parole à Virginie Clérima. Oui, merci Gaëlle. Oui, super. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc en quelques mots le projet CARIPSAN. Donc, les contextes des Caraïbéens sont communs, les îles qui sont concernées par le projet et au-delà. On se rejoint sur des contraintes, notamment en termes de manque d'assainissement et d'infrastructures. Sur le climat tropical, bien évidemment, et aussi les enjeux de tourisme et d'activité sur notre territoire. La biodiversité. Si vous m'entendez. Alors, je vous demande deux petites minutes. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Parce que j'ai un écho et je m'entends haché. Levez la main si vous m'entendez bien. Non, ça marche bien, on t'entend. D'accord, ok, merci. Bon, je reprends. Vous pouvez baisser la main. Bonjour. Donc, les enjeux et les contraintes sur le territoire caribéen sont communes. Le climat tropical, comme je vous le disais, les biodiversités endémiques et riches de nos îles. Notamment récemment, la Martinique a été nommée réserve de biosphère. On se rejoint malheureusement sur le manque d'infrastructures en assainissement et les enjeux touristiques, préservation de notre biodiversité sont fortes. Non, ça ne marche plus, on ne t'entend pas bien là. Il faudrait que tu prennes l'ordi de Gaëlle peut-être. Ah. Je vais changer d'ordi alors. Faut que tu ouvres le micro. Est-ce que c'est mieux au niveau du son ? Lucas, notamment, tu me faisais un retour, si tu peux juste... Ça a l'air pas mal. Ouais, top. Merci. Je suis désolée. Merci beaucoup. Donc, à l'initiative de CARIPSAN, on retrouve un autre projet, donc Attentive, qui a eu lieu quelques années auparavant et qui impliquait donc l'Office de l'eau de la Guadeloupe, l'Office de l'eau de la Martinique et l'INRAE, dont le but était d'adapter une technique de traitement des eaux usées, les filtres plantés de roseaux, et qui ont été donc adaptés en trouvant une plante locale pour pouvoir traiter les eaux usées, donc l'oiseau du paradis. Cette technique a été donc, le projet Attentive a été couronné de succès. On a découvert donc cette technique qui était adaptée au climat tropical, qui est simple de gestion, qui demande peu d'intrants, donc assez économique, dont le traitement est efficace et qui est particulièrement adapté au contexte tropical. Alors, c'est vrai que depuis la matinée, on a parlé des filtres plantés de végétaux. On va vous présenter en deux diapos, ce qu'est un filtre planté de végétaux. Donc là, je vais demander à mon collègue, M. Pascal Moll, de prendre la main et je vais avancer sur le diaporama. Bonjour à tous. Donc, bonjour. Les filtres plantés de végétaux. Alors, j'ai de l'écho là, je pense. D'ailleurs, un micro ouvert. Donc, les filtres plantés de végétaux font partie d'une famille en fait de procédés
qu'on appelle en anglais treatment wetlands, qui sont des systèmes qui sont dimensionnés, gérés, donc artificiels, pour reproduire les processus qui se passent dans les zones humides naturelles. L'objectif de ces systèmes, c'est qu'ils doivent être capables de mettre en œuvre des processus assez complexes entre différents compartiments, que ce soit l'eau, le sol, les plantes, les micro-organismes et l'atmosphère. Donc là, je rappelle qu'il y a un ouvrage qui existe, qui présente un peu l'ensemble de ces technologies, qui est librement téléchargeable sur Internet, et qui existe en anglais et en espagnol. Donc, quand on parle de filtres plantés de végétaux, on a assez succinctement des ouvrages étanchés du sol dans lesquels on va mettre un matériau pour faire une sorte de sol artificiel. Et on va avoir des écoulements qui peuvent être soit verticales, soit horizontales, pour mettre en œuvre différents types d'activités biologiques à l'intérieur. On va passer à la slide suivante. Alors, il y a un petit délai, ouais. Mais ça arrive. OK. Voilà, et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, on a travaillé beaucoup sur l'adaptation au milieu tropical et qu'il y a aussi un guide qui a été fait suite au projet attentif qui existe en anglais et en espagnol et qui permet de plus concrètement voir comment mettre en œuvre et gérer ce type d'ouvrage au milieu tropical. Et donc là, vous pouvez voir une photo de Lucas qui présente un hameau qui a été réalisé, et puis en bas à droite on voit deux petits carrés verts qui est la station d'épuration de l'ensemble de ces immeubles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé à valider une filière de traitement qui est relativement compacte, car inférieure à 1 mètre carré par habitant. Ça, c'est vraiment pour donner une petite illustration. Voilà, pour ces deux slides. Merci, Pascal. Il y a un petit délai toujours, je suis vraiment désolée, mais il n'y a pas de souci si ça arrive. Alors du coup, le programme CARAIBSAN répond à un objectif de programme Interreg, qui est de protéger et de partager le patrimoine naturel de la Caraïbe en mettant en place des outils conjoints de coopération. Donc, pour le projet CARAIBSAN, ça se traduit sur 4 objectifs. Donc, mettre en lien des acteurs de l'assainissement caribéen, promouvoir bien évidemment les filtres plantés de végétaux qu'on a pu voir juste avant, partager cette technologie et le savoir sur cette technologie, identifier des sites sur les îles concernées pour construire des filtres plantés de végétaux et derrière, préparer effectivement leur construction, puisque c'est le but du projet. Au niveau de la réalisation de ce dernier, comme l'ont dit mes prédécesseurs, on est contraint au niveau du timing. Effectivement, l'utilisation des fonds Interreg doit être effectuée avant décembre 2022. Donc on va diviser le projet en 2 phases. La première phase, c'est vraiment l'étude des sites qui pourraient être concernés par la construction future des filtres plantés de végétaux sur les différents pays. Au niveau du financement, donc la majorité du projet est financée par le programme Interreg à 66%. Ensuite, on retrouve l'Agence française de développement pour 20% et derrière les offices de l'eau de la Martinique et de la Guadeloupe. Et ensuite, tous les autres partenaires participent avec du temps
humains, enfin des ressources humaines. Le projet a été divisé en quatre phases, on appelle ça des blocs ou des work packages. Donc le premier qui correspond à tout ce qui est administratif, donc les conventions, nos échanges, nos réunions de travail. Le deuxième, c'est porté par l'INRAE, donc ça sera les études préliminaires en vue de la construction de ces filtres plantés. Le troisième axe, sur le renforcement des compétences, tout ce qui est sensibilisation et formation des sachants et non-sachants sur l'assainissement. Et enfin, le work package ou bloc numéro 4, qui s'appelle donc communication et surtout dissémination, qui englobe vraiment tous les autres axes, donc partager la connaissance sur cette technologie et sur l'assainissement, dont un des moments phares est donc ce premier séminaire de rencontre, mais également à la fin du projet, une conférence régionale qui permettra de réunir tous les acteurs de l'assainissement de la Caraïbe. Là, une dernière slide sur la gouvernance du projet. Donc, on retrouve tous les acteurs avec un groupe de travail qui se réunit quasiment tous les 15 jours entre l'Office de l'eau de la Martinique et l'Office international de l'eau. Oui, en ce moment, c'est très souvent. Et qu'on se rencontre, pardon. Un comité technique où on rajoute l'Office de l'eau de la Guadeloupe, le financeur, l'Agence française de développement et notre partenaire technique, l'INRAE. Et ensuite, avec tous les pays, donc la WASCO, la DOWASCO, la CAWASA et l'INRH. Donc, sur un comité de pilotage qui se réunit tous les 3 mois. Demain. Effectivement. Demain. Et le premier copil aura lieu dès demain. Merci. Je repasse la main, du coup, à Gaëlle. Ou directement. Oui, je peux donner. J'annonce alors du coup. Stéphanie, et il y aura un temps de questions-réponses. Alors effectivement, il y a un temps de questions-réponses sur le projet. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit par le chat ou en prenant la main. Et ensuite, on écoutera donc la directrice de l'Office international de l'eau, Madame Stéphanie Laronde. Alors attends. Bonjour à tous. Je laisse donc Stéphanie Laronde, directrice de l'appui coopération institutionnelle et technique. Je vais laisser Gaëlle, Virginie, Nîmes, c'est les diaporamas. Oui, pardon, je reprends ma main. Alors, vous m'entendez? Alors, oui. Je vais oui. Avancer le diapo. Ce n'est pas le bon. Non, j'ai un problème. Ah, puis je suis en dévoilé toutes les surprises. Mince. Ah oui, il faut que je coupe le partage pour que tu puisses prendre la main, Stéphanie. Très bien. Bon, tout le monde est toujours là. Nos amis de Cuba, vous êtes là. Nos amis, un petit signe. Cuba. À Cuba, vous nous entendez ? Oui, je vois là une main qui se lève. Est-ce qu'à Sainte-Lucie, vous nous entendez? Perfecto, gracias. Est-ce que nos amis de Sainte-Lucie nous entendent? Alors, oui, je vois une main levée. Très bien, monsieur Régis. Est-ce que nos amis de la Dominique nous entendent? La Dominica. Monsieur yes, Tino, I can. Perfect, thank you. Et nos amis de la Guadeloupe? Oui, madame la présidente de l'Office de la Guadeloupe. Parfait, tout le monde est là. Donc, je vais passer la parole à madame Laronde pour la présentation de l'équipe de l'Office international de l'eau. Stéphanie, c'est à toi. Oui, je te laisse passer le diaporama. Bonjour à tous. Donc, l'Office international de l'eau, tu peux passer au slide suivant. C'est une association sans but lucratif, reconnue d'intérêt général. Et cette association fête ses 30 ans cette année. L'OIO intervient essentiellement dans le développement des compétences pour une meilleure gestion de l'eau,
donc en France, en Europe et dans le monde. Ses missions principales sont le développement des compétences techniques et pratiques, la dissémination des connaissances et la promotion à l'international des principes de gestion, de la gestion de l'eau, la bonne gestion de l'eau. Slide suivant. Donc, l'Office international de l'eau est basé sur, est implanté sur 4 sites en France métropolitaine. Et on a la chance pour ce projet d'avoir pu baser Virginie Clérimat, donc en Martinique, et grâce à l'Office de l'eau de la Martinique qui a bien voulu l'accepter dans ses locaux, et ce qui facilite les relations et la gestion du projet. Donc, on est 140 employés avec une expertise à la fois sur le petit et grand cycle de l'eau. Slide suivant. Donc, nos quatre domaines d'activité sont à la fois alors, la formation professionnelle et l'ingénierie pédagogique. Donc, on propose des formations complètes destinées aux professionnels de tous niveaux des secteurs de l'eau, à la fois des formations sur catalogue ou des audits ou des formations sur mesure. Et également, on appuie à la création et au développement de plateformes pédagogiques. Au niveau de l'appui institutionnel et technique, donc, on intervient dans le renforcement des capacités de gouvernance des organismes chargés de la gestion de l'eau. On appuie au développement et la mise en œuvre de plans de gestion pour la gestion intégrée des ressources en eau. On réalise des appuis et de l'appui technique à maîtrise d'ouvrage. On anime et on coordonne des réseaux d'acteurs. Éric Tardieu, notre DG, l'a indiqué tout à l'heure à travers le RIOB, notamment, où on anime des groupes de travail, des séminaires thématiques, et on accompagne les retours d'expérience, l'identification de cas d'études et la synthèse de résultats et la valorisation et la diffusion de ces retours d'expérience. On met à disposition des ressources en constituant des bases documentaires et en diffusant les connaissances à travers les systèmes d'information de données et de systèmes d'information documentaires. On a réalisé déjà avec plusieurs partenaires du projet CaribSan, slide suivant, plusieurs projets, notamment donc, la modernisation. Ah, le slide n'est pas présent. La modernisation de la gestion intégrée des ressources en eau à Cuba, donc avec l'Institut national des ressources hydrauliques sur le bassin de Almendares-Vento, dans La Havane. L'objectif était de consolider le conseil de bassin et son secrétariat exécutif, d'appuyer la caractérisation du bassin, d'appuyer la méthodologie de planification et également d'appuyer, de structurer les outils d'aide à la décision. On est intervenu également sur le programme d'intervention de l'Office de l'eau de la Guadeloupe, où là, on a fait un inventaire et un bilan du programme précédent, et on a préparé le PPI, le programme pluriannuel d'intervention de l'Office de l'eau de la Guadeloupe. En Guadeloupe, toujours, on a appuyé à la création d'une cellule d'appui sur l'eau et l'assainissement. Donc, on a renforcé à l'animation territoriale de l'Office de l'eau de la Guadeloupe. Et enfin, avec la Martinique, l'Office de l'eau de la Martinique, on a participé à la mise en œuvre de la consultation du public sur le plan de gestion des eaux du SDAGE Martinique. Et la dernière slide, c'est pour vous indiquer donc, les différentes composantes de la formation qu'on réalise auprès de différents professionnels avec différentes composantes. Ces sessions de formation ont lieu à la fois sur les sites de l'OIO, donc c'est plutôt en Limousin, à Limoges et la Souterraine, mais ça peut être également sur place avec des formations sur mesure qui correspondent aux attentes des acteurs locaux. Ce sont des formations de 3-4 jours avec l'intervention de nos 30 formateurs permanents. Donc, toutes ces compétences vont être mobilisées au sein de l'OIO, que ce soit les études, les formations, et donc dans le cadre de cette première phase où il va y avoir l'étude et la formation, pour après, dans une seconde phase, comme l'a indiqué Virginie, la mise en œuvre, la construction de ces filtres plantés dans une seconde phase. Voilà, je vous remercie pour cette présentation.
Merci Stéphanie pour la présentation de l'Office international de l'eau. Avant de poursuivre par des présentations par partenaire, on va se prendre un petit temps de questions-réponses parce que ça, c'est rare, mais ça arrive. Nous avons de l'avance sur le programme. Mais et il y avait quelques questions qui étaient posées, notamment sur le chat. Alors, sur le choix des fleurs. Alors, peut-être peut-on donner la parole à Monsieur Moll ou à Lucas Pelus qui ont été au cœur du projet d'attentive sur le choix de l'espèce Heliconia qui a été choisie. Alors, est-ce que Pascal ou Lucas, vous auriez quelques éléments de réponse sur l'expérimentation qui a été menée? Tu veux parler par rapport au logo ou... Pardon? Alors, je vais relire la question de M. Lurel de la Guadeloupe qui demande quel est le statut écologique et botanique de Heliconia. Bon, je vous passe le nom latin. C'est d'accord. L'espèce choisie pour le logo, donc par rapport au logo. Pour la Guadeloupe, comme pour l'ensemble des petites Antilles riches de biodiversité, l'Heliconia est une espèce introduite, naturalisée, tout comme l'oiseau du paradis, originaire d'Afrique du Sud. Ne faudrait-il pas limiter, pour la description du logo, de signaler que le figuré correspond à une herbe rhizomateuse du genre Heliconia? Voilà, c'est assez pointu comme demande. Alors effectivement, je ne sais pas si c'est juste le choix du dessin par rapport au logo qui interpellait M. Lurel, ou si c'était, s'il voulait un retour sur vraiment le choix de l'espèce qui est sortie du projet attentif. Peut-être, M. Lurel, pouvez-vous nous préciser votre question avant qu'on puisse vous donner une réponse pertinente? Bonjour. Merci, Félix Lurel, de l'ODE Guadeloupe. Ben écoutez, je ne pensais pas intervenir, je voulais simplement ouvrir un peu le débat, la réflexion sur cet aspect. Puisque nous sommes dans un haut lieu de biodiversité, la Caraïbe insulaire, nous avons donc une très riche biodiversité, et là nous faisons appel, bien sûr, à une espèce introduite. Une espèce introduite qui se multiplie tellement facilement dans ces milieux naturels humides que nous sommes obligés de faire un peu cette prudence, par prudence, le rapprochement avec les espèces exotiques envahissantes. Et on connaît effectivement le rôle de ces espèces exotiques envahissantes, en tout cas leur impact, excusez-moi, avec les espèces indigènes. Alors, puisque l'espèce est efficace, puisque l'espèce est présente depuis déjà un certain temps dans nos milieux, et compte tenu des services écosystémiques que pouvaient être rendus, dans la description du logo, je pense qu'il vaut mieux éviter de préciser Psittacorum. Vaut mieux éviter parce que nous avons aussi des Heliconia indigènes qui sont donc là depuis la nuit des temps, hein, depuis l'origine, à l'époque des Amérindiens. Et comme nous devons certainement aussi, nous allons peut-être sonder bien d'autres espèces indigènes, c'est-à-dire de notre cortège on va dire originelle. Je pense qu'il vaut mieux pas préciser l'espèce, puisque c'est une espèce introduite, qui peut donc ouvrir la porte à la problématique des espèces exotiques envahissantes. Elle se multiplie très facilement. Nous allons ainsi certainement l'encourager. Il faudra donc assurer derrière un suivi de son éventuelle dissémination. Elle a un très bel effet ornemental et de ce fait, elle est favorisée. Donc, je voulais simplement qu'il y ait cette réflexion dans la description, en tout cas, du logo, de ne pas trop insister sur les espèces introduites, d'autant plus que nous disposons d'une très riche biodiversité qui, donc, comporte, en tout cas, qui compte dans tous ces taxons, des espèces qui pourront assurer ce rôle aussi bien mécanique, ce rôle donc aussi biologique avec toutes les bactéries de dégradation, en tout cas de traitement, de ce système sanitaire. Je voulais simplement donc attirer cette attention pour qu'on soit quelque part prudent et ne pas trop prêter le flanc à ces problématiques qui sont aiguës d'espèces exotiques, d'espèces ornementales, favorisées d'une façon ou d'une autre, sentimentalement ou par leur fonction, et surtout qu'on peut peut-être tester aussi d'autres espèces, d'autres Heliconia qui sont indigènes ou bien d'autres encore, qui pourront peut-être nous donner des résultats peut-être à ce jour, pas encore testé suffisamment ou on n'a pas assez de recul. Voilà, simplement, donc, maintenant, c'est une très belle plante que j'affectionne particulièrement moi aussi.
Voilà, je ne voulais pas que, donc, qu'on porte atteinte d'une façon ou d'une autre, compte tenu des problématiques actuelles, à cette, en tout cas, cette biodiversité vulnérable du fait de nos introductions et de cette aussi de certaines, certains choix. Voilà. Je peux prendre la parole. Bonjour, Monsieur Lurel. Michela Adin, je serai très rapide parce que les techniciens vont pouvoir répondre précisément sur la démarche de test qu'il y a eu sur le chantier Attentive. Et donc qui a été quand même une démarche assez longue avec l'INRAE, c'est difficile parce que c'était l'IRCA avant, voilà. Et avec Lucas Pellus, on va pouvoir vous répondre précisément sur la technicité. Mais moi, simplement, avant que les techniciens puissent répondre, vous dire que de nombreux tests ont été faits. Je comprends la problématique que vous posez. Maintenant, les espèces exotiques envahissantes, effectivement, c'est une préoccupation que nous avons dans les offices de l'eau, mais également au niveau du CEB, etc. Mais lorsqu'on peut citer les espèces introduites en Martinique, comme le cocotier, le fruit à pain, la banane, et que sais-je encore, voilà, et qui sont effectivement devenues des espèces qui sont patrimoniales et qui pour lesquelles on n'observe pas de prolifération dangereuse pour des espèces endémiques. Je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas une technicienne, mais enfin, voilà, quand on parle d'espèces envahissantes ou d'espèces introduites, pratiquement 60% de ce que nous consommons en Martinique ou des espèces que nous avons en Martinique sont des espèces qui ont été introduites. Après, en fonction de leur développement, on les classe ou pas dans des espèces envahissantes ou pas. Je laisse la parole à voilà. Monsieur, tu vas pouvoir lui dire. Monsieur le président Salibert, salue chaleureusement Monsieur Félix Lurel. Alors, je passe la parole à Lucas Pellus et peut-être aussi à Pascal Moll. Oui, je vais juste rentrer dans la technicité sur le choix. Coupe ton micro. Oui, je vais juste rappeler que quand vous prenez la parole, je vous remercierai de mettre votre caméra. Nous avons dit au début de séminaire qu'effectivement, c'est un séminaire en distanciel, mais c'est toujours sympathique de pouvoir se voir. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra quand vous prenez la parole. Lucas, je te passe la parole. Oui, bonjour, Lucas Pellus, chargé d'études d'assainissement à l'Office de l'eau. Donc, concernant les plantes, on a fait une multitude de tests sur le projet Attentif qui est le premier projet d'introduction des fils plantés dans les Antilles. Donc, les résultats sont disponibles sur une étude sur Internet. Donc, il y a eu une large. Donc, c'était des essais qui ont été faits avec le Conservatoire botanique. Donc, toutes les espèces ont été validées de base pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au côté envahissant ou même espèces exotiques envahissantes. Par ailleurs, une fois que les filtres plantés ont été testés avec les plantes, on a vérifié évidemment autour des filtres qu'il n'y avait pas de dissémination des plantes testées, donc même que ce soit les Heliconia ou les Cyperus. Et depuis, ces systèmes ont été développés sur sur différents spots, on va dire, en Martinique. Et il n'y a jamais eu de problème. Les plantes, elles restent vraiment dans le filtre, quoi. Donc ensuite, pour la question vis-à-vis du logo, je ne suis pas sûr qu'il y ait écrit Heliconia psittacorum ou quoi que ce soit dans le logo. À mon avis, ça vient peut-être plus de la forme de la plante qui rappelle trop une espèce précise. Donc, dans ce cas-là, il faudrait peut-être juste changer la façon dont apparaît, la façon dont la plante est dessinée pour que ça rappelle plus la famille générale. Je pense que c'était ça que vous demandiez, hein, Monsieur Lurel. Et je ne pense pas que le projet actuel ait pour vocation à faire des nouveaux essais sur les plantes. Voilà. Et pour l'Heliconia psittacorum aussi, ce qui limitait le choix d'une espèce par rapport à une autre aussi, c'était la disponibilité du côté des pépinières. Donc voilà. Voilà ma réponse. Merci, Lucas. Alors, je vais juste reprendre une petite
partie de ce que tu as dit, il y a quand même un dialogue qui va être instauré avec les pays Dominique, Lucie, Sainte-Lucie pardon, et Cuba avec les botanistes pour bien s'assurer que cette, la proposition de cette espèce soit la bonne. Et s'il fallait faire des évolutions, parce qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits dans nos pays amis, partenaires, je pense à Cuba notamment, sur l'épuration avec l'aide de filtre planté. Donc nous allons intégrer dans le projet l'ensemble des expériences déjà existantes. Voilà, alors, monsieur Pascal Moll, est-ce que Pascal, tu peux peut-être apporter d'autres précisions et puis après on va passer à la suite. Merci. Non, mais Lucas a déjà bien présenté la question. Hein. C'est vrai qu'on a travaillé avec les conservatoires, on a travaillé avec les experts de la DEAL qui nous ont tous validé les espèces qu'on a testées, que ce soit au départ en batch et puis après en taille réelle. Donc je rappelle qu'on est parti au début sur 120 espèces sélectionnées. On en a testé une vingtaine en batch dans les différents départements d'outre-mer français, hein, donc pas que Martinique et Guadeloupe. Et puis derrière, on a testé une dizaine en conditions réelles. Et à chaque fois, on a bien vérifié qu'il n'y avait pas de problème qui se posait sur une potentielle invasion de ces espèces-là. Donc, en termes de statut, en tout cas par les conservatoires botaniques et les DEAL, elles ne sont pas considérées comme invasives. D'accord. Alors, si vous permettez, pour lever toute ambiguïté, j'ai simplement voulu attirer l'attention avec des arguments scientifiques qui ne peuvent pas être mis en cause sur l'espèce. Deuxièmement, je n'aurais pas fait d'intervention si l'espèce n'avait pas été clairement citée aussi précisément quand on a présenté le logo. Maintenant, effectivement, il y a des espèces donc indigènes sur les 3500 qui existent, on n'en a que 1800. Imaginez-vous toutes les autres, elles ne sont pas indigènes. Voilà, donc j'ai simplement attiré cette attention. Je sais et je vous confirme que cette espèce se multiplie très facilement dans les milieux humides. Il suffit de se balader dans des milieux humides et vous allez voir qu'on la retrouve, pour peu qu'il y ait une action anthropique peu avant. Et donc, je crois que de toute façon, il faudra continuer le suivi. C'est simplement de notre responsabilité d'assurer un suivi de ce type donc de modèle, de structure pilote que nous allons mettre en place, voilà, parce que les enjeux sont importants. Voilà, maintenant, je n'ai pas dit de ne pas considérer l'Héliconia psittacorum, simplement attirer l'attention sur son statut, qui n'est pas indigène. Et le Conservatoire botanique de la Martinique pourra vous le confirmer, qui est une espèce introduite. C'est une espèce absolument, mais on n'a pas dit le contraire. Simplement, dans la description du logo, de ne pas faire juste moi l'écriture de l'esprit. C'est tout. Très bien. Je m'en tiens à ça. On a entendu. Je vous suis attentive. Très bien, merci Monsieur Lurel. Parfaitement. Je pense que c'est une petite erreur qu'il faut nous pardonner d'avoir peut-être donné en précisant le nom de l'Héliconia. On va rester sur quelque chose de plus généraliste et parler de l'Héliconia, mais le nom de l'espèce ne sera pas cité dans le logo. Voilà, donc très bien, on a pris vos demandes en considération. Alors, nous avons Yanis, je ne sais pas, donc ils ont quelques problèmes avec les espèces invasives. Alors, c'était une autre question, pardon. Alors, peut-être sur les questions vraiment techniques, sur les surfaces nécessaires, il y avait une question sur les surfaces. Alors, est-ce que Monsieur Yanis, alors je ne sais pas, Yanis peut poser la question oralement pour qu'il y ait une ouverture au dialogue. Est-ce que Monsieur Yanis, alors je ne connais pas son nom de famille, qui a posé une question, donc a priori il vient de Dominique, de la Dominique ou de Sainte-Lucie, une question en anglais, peut nous préciser le sens de sa question? Sinon, alors, je peux reprendre sa question et répondre. Ah ben vas-y, Lucas, je t'en prie, avec plaisir. La question posée était
le minimum de surface nécessaire pour mettre en place un filtre planté. Donc le ratio. OK. Sorry. During implementation of this project, species or disruption to the natural plant and land. Ok. Ok. Alors, dans la France hexagonale, le ratio était de 2,5 mètres carrés par équivalent habitant pour la surface de traitement. C'est vraiment là où il y a les plantes. Mais après, il ne faut pas oublier le contour qui est nécessaire autour du filtre ou même le remblai, quoi. Et l'étude des attentives a permis de diminuer la surface à 0,8 m² par équivalent habitant. Vu qu'on a des conditions atmosphériques, on va dire, plus favorables au traitement des effluents. Donc, par exemple, si on a 100 équivalents habitants à traiter, on aura besoin de 80 m² de filtres, plus environ aussi entre 50 et 80 m² autour. Donc, c'est juste la bande d'accès pour les voitures ou même pour une pelleteuse qui peut faire des travaux, en fait. Donc, en général, je pense qu'en surface totale avec le grillage extérieur, il faut compter deux fois le nombre d'équivalents habitants. Donc, par exemple, je pense que pour 100 équivalents habitants, la surface totale de toute la steppe avec le contour, ça devrait faire environ 200 m² à peu près. Je pense, Pascal, si jamais je me suis trompé, tu peux préciser, mais il me semble que c'est ça hein, qu'on a vu. Hein. Oui, c'est un peu ça. Après, il y a quand même des petites différences en fonction du niveau de rejet qui est demandé. Parce qu'on a déterminé en fait plusieurs dimensionnements pour différents niveaux de rejet. Donc, suivant la contrainte. C'est le projet de base, ça, c'est vraiment le truc standard, quoi, hein, ce que j'ai dit moi. C'est deux filtres, comme on a vu sur la photo tout à l'heure. Quoi. Voilà. Mais ça peut varier en fonction des niveaux de rejet qui vont être demandés. Donc, suivant les usages qu'il y a derrière aussi. OK. Bon, on va passer. Merci pour ces réponses techniques, messieurs les ingénieurs. On va pouvoir maintenant passer aux présentations structure par structure, déjà pays par pays. On a envoyé à chaque pays partenaire un petit PowerPoint à compléter, où chacun devait à la fois présenter son pays en quelques chiffres, ses problématiques environnementales et d'assainissement, mais aussi sa structure et le partenariat qui est attendu par chacun, les attentes et les besoins. Donc, pour commencer le tour de table, nous allons accueillir l'INRH, nos amis cubains, de l'Institut national de ressources hydrauliques, en la présence de Madame Deikeline León Arias. Je m'excuse par avance pour la prononciation de votre nom. On n'entend rien. Alors, il faut que vous mettiez, pour les francophones, branchez-vous sur Interprefy et vous vous mettez sur français. Alors, mettez-vous sur Interprefy et vous devez sélectionner français. Vous devez baisser le son de Teams et augmenter le son d'Interprefy pour pouvoir l'avoir en français. Alors. Voilà, super. On y va. Oui. Vous m'entendez, Deikeline? Vous pouvez prendre la parole. Je ne sais pas si votre micro est ouvert. Je ne vous entends pas, moi. Ahora sí. Ahora su micrófono. Buen día a todos. Vale, vamos a escuchar. Buen día, ¿se me escucha? Sí, nos podemos oír. Un saludo a todos los participantes. Vamos a hacer una evaluación de las características de Cuba y de los principales indicadores
que estamos manejando del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, de Coberturas Hidrométricas y de Abasto y Saneamiento. Primeramente, Cuba es un archipiélago que está localizado en la parte más occidental del Caribe insular. Tiene una superficie de 109.88 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en la isla más grande de todo el Caribe. Su población es de más de 11 millones de personas, con una densidad poblacional de 103 habitantes por kilómetros cuadrados. Entre las ciudades más pobladas que tenemos es la capital del país, que es la ciudad de La Habana. La orografía predominante en Cuba es un país llano y tiene tres cadenas montañosas a lo largo de todo el territorio. Su clima es subtropical moderado, con dos estaciones bien definidas a lo largo de todo el año. De noviembre a abril se da la estación seca. De mayo a octubre, una estación húmeda donde ocurren las mayores precipitaciones. Las temperaturas varían de los 18 a los 28 grados Celsius. En los meses de verano, estas temperaturas se incrementan sobre los 30 grados Celsius. La temporada ciclónica ocurre en los meses de junio a noviembre y la mayoría de las tormentas se dan en septiembre y octubre. La flora cubana es caracterizada por una rica variedad de especies. Existen alrededor de 6.000 especies, de ellas 6.300 son endémicas de aquí de Cuba, por lo que Cuba ocupa el primer lugar en las Antillas por el endemismo de las plantas superiores. La flora cubana es caracterizada mayoritariamente por ser importada. No obstante, las aves tienen una fuerte presencia en el territorio. Muchas son migratorias, por lo que pueden verse en determinadas épocas del año. Además, poseemos una serie de especies endémicas, mamíferos y otras aves que son muy protegidas. Las principales industrias cubanas son el turismo, el azúcar, el petróleo, el tabaco, entre otras. Entre las producciones agrícolas más importantes se destacan la caña de azúcar, el tabaco, los cítricos y el café. Respecto a los índices de desarrollo sostenible. La próxima diapositiva, por favor. Respecto a los índices de desarrollo sostenible. El acceso a fuentes mejoradas de agua en Cuba es favorable. Se representa el 96.72% de la población que tiene acceso a estas fuentes mejoradas de agua. Sin embargo, de ellas, el 77.4% de la población accede a través de redes de acueducto. Este es un indicador a mejorar. La proporción de la población que dispone del servicio de suministro de agua gestionados de manera segura, que solo está al 54.45%. Se realizan inversiones en este sentido que han permitido que desde los años 2015 al 2020 haya habido un incremento de un 10.3% en este indicador. Siguiente. La cobertura de acceso a fuentes mejoradas de saneamiento está al 98.5%. Este indicador es favorable, pero sucede con lo mismo que con el indicador que presentamos anteriormente, que solo el 36.8% de la población tiene acceso a redes de alcantarillado. Y la proporción de la población que dispone del servicio de saneamiento gestionado de manera segura es solo el 53.52%. Las inversiones encaminadas a la mejora de este indicador han incrementado el 14.71% de este indicador de 2015 hasta la fecha. No obstante, debemos seguir trabajando en el desarrollo de cobertura a estas redes y de tratamiento de residuales, objetivo fundamental de este proyecto. Siguiente. Los principales problemas relacionados con el saneamiento en Cuba están resumidos en que solo el 36.8% de los habitantes poseen redes de alcantarillado, existe un bajo nivel de tratamiento y reuso de las aguas residuales, solo reciben tratamiento el 55.4% de las aguas residuales evacuadas, el reuso del agua solo es el 7% de las aguas residuales tratadas y existe un incremento de los puntos de vertimiento de aguas residuales con insuficiente cantidad de equipos especializados para darle respuesta a dicha problemática.
Siguiente. En el caso específico de la capital, donde se desarrollará el proyecto de los filtros plantados, existe el 100% de la población tiene acceso a fuentes mejoradas de agua segura, pero la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura es el 54.2%. Actualmente también se acometen importantes inversiones para mejorar este indicador. La población con acceso a redes de alcantarillado es el 74.1% de la población de la capital. Y la proporción de la población que dispone de servicios de saneamiento gestionados de manera segura es el 61.8% de la población. Siguiente. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos es el organismo de la Administración Central del Estado encargado de dirigir, ejecutar y controlar toda la aplicación de la política de Estado y Gobierno en cuanto a la actividad de recursos hidráulicos del país. Fue creado el 6 de junio de 1989 con 32 años de experiencia. Entre sus funciones principales se destacan la protección de las aguas terrestres, las cuencas, los cauces naturales, las obras e instalaciones hidráulicas. Es el encargado de emitir las regulaciones necesarias para la protección de los objetivos económicos, sociales y ambientales, los efectos nocivos que pudieran causar las aguas terrestres. Asegura el correcto funcionamiento de las instalaciones hidráulicas, de las obras de protección. Protege y balancea el potencial hidráulico del país. Siguiente. Controla la actividad de acueducto de alcantarillado y drenaje pluvial y de forma global es el que propone la estrategia de desarrollo hidráulico del país. Consta con una sede central y representación en las 15 provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud. Además, posee 64 empresas, de ellas 36 están dedicadas a la gestión integrada del agua y 28 al agua y saneamiento. Siguiente. La próxima. La próxima presentación, por favor. La próxima diapositiva. La próxima. Por favor, si puede pasar a la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Adelante, la próxima. Alors, nous sommes en train de charger la diapo permettant la suite. Donc, c'est juste que l'Internet est ralenti. Excusez-nous pour ces quelques instants de patience. La suivante encore, je crois. Diapo suivante. Si tienen problemas técnicos, podemos seguir sin presentación. ¿La puedo sacar de aquí?
Je vais partager mon écran. Il faut qu'on soit plusieurs présentateurs pour, pour pouvoir... voilà, la diapo 10, c'est celle-ci. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Donc, je passe à celle d'après? C'est celle-là, ok. C'est bon? La traductrice peut-elle me dire si c'est bon, parce que du coup, j'ai fermé le son des cubums de mon côté. Non, encore une. Diapo suivante. C'était après encore. Alors, moi, j'ai plus de son, plus personne ne me parle. Alors. Diapo suivante. Hein. Voilà. Okay. C'est la bonne diapo. Alors, je me demande si j'ai pas un problème de traduction. Ah, diapo suivante. C'est la numéro 11 qui est attendue. La numéro 11 est la que se espera. Seguimos aguardando la opción número 11. Je vous prie de m'excuser, je pense qu'on a un petit souci. Donc déjà, je m'assure, a priori, on a la bonne diapo à l'écran. J'avance. Voilà, celle-ci. Mais par contre, je n'ai plus le son de la traductrice espagnole. Ah, c'est bon, là. C'est bon. Je crois que c'est Armanza. Non, je ne l'entends plus. Donc les francophones n'entendent plus la traduction. Continuamos con las principales experiencias y proyectos de cooperación donde ha participado el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que ya posee una gran experiencia. Je vais remettre le son sur Teams, excusez-moi. Bien, dans 600. Que son los reembolsables y no reembolsables. Déjà qu'elle m'a été résolue, nous avons pu avancer d'une page. Très bien, merci. Para la implementación de acciones conjuntas en el ámbito de gestión de los recursos hídricos. En el 2020 se firmó el proyecto de reducción de vulnerabilidades ante huracanes y recuperación de daños tras el huracán Irma con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Existen además tres proyectos en gestión con fondos reembolsables y tres proyectos con fondos no reembolsables. Adelante. Siguiente diapositiva. Las principales expectativas de Cuba con el proyecto es tener un mayor acercamiento y participación en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes en el entorno del Caribe, promover técnicas innovadoras de tratamiento de aguas residuales basadas en la naturaleza para la mejora de los indicadores de gestión de saneamiento de forma segura, estudiar la tecnología de filtros plantados para su implementación como sistema de tratamiento de aguas residuales, capacitar al personal técnico que interviene en la búsqueda de soluciones a los problemas de saneamiento en las tecnologías de filtros plantados y demostrar la factibilidad de la implementación de la tecnología de filtros plantados. Muchas gracias. Merci pour cette présentation à l'INRH et on va dire, les informations très précises que vous avez pu nous donner sur l'état de l'assainissement à Cuba. Bon, on voit que nous avons un peu les mêmes problèmes partout. Je vais maintenant demander à la WASCO, donc l'organisme de gestion de l'eau de Sainte-Lucie, de bien vouloir prendre la parole en la participation de son directeur, M. Edmond Régis. On behalf of this director, Mr. Edges. Good morning, everyone. Can everyone hear me?
Yes. Yes, thank you. My name is Sharon Williams, and I am the communication and marketing officer at Wasco. Today, I will start our presentation. Just to give you a brief idea of the country's temperature, and I will also be giving you a bit of information about Wasco itself as a company. I'm getting a bit of a feedback, so just let me know if everybody's hearing. Yes, that's good. Perfect. You can go on. But we don't have any slides on screen. Alors, normalement, il y a un petit film à passer. Avant la présentation PowerPoint, on va essayer de vous télécharger le film que nos amis de Sainte-Lucie nous ont fait passer. De la Dominique. Mais donc, non, c'est Sainte-Lucie. Si, si. Pardon. Si, si, oui, c'est Sainte-Lucie. On essaie. Bon, alors, OK. Virginie a partagé. C'est bon. On n'a pas de son. Alors, il y a une difficulté compte tenu du son. On peut peut-être... De toute façon, ce film sera envoyé à l'ensemble des participants, donc vous aurez tout le loisir de pouvoir le redérouler. Encore quelques secondes, on va essayer de le refaire repasser, et si ça ne marche pas, on va passer à la présentation PowerPoint. Merci pour votre patience. Il y a un YouTube avec chacun regarde sur YouTube sur ça. C'est le Guadeloupe qui se reconnecte. Alors, vu la difficulté à pouvoir visionner le film en direct, on enverra le lien et on pourra le visionner chacun après la réunion. Merci. Donc, on va partager le PowerPoint de la Wasco. Est-ce que vous le voyez? Oui, Sainte-Lucia. Voilà, donc on peut voir. So we can see it. Mr. Regis. Good morning, everyone. Can you hear me? Can everybody hear me? Yes, we very okay, good, thank you. Thank you. Well, I realized that there is a bit of a technical issue with the video, but I will just go into the slides to give you some information about St. Lucia generally, and then we'll go into the information or introduction of Wasco as a company.
for a little bit of an introduction of myself, I am Sherianne Williams, and I'm the Communication and Marketing Officer at WASCO. And I will be the one doing the first part of the presentation, which is the introduction of WASCO, as well as some of the information about St. Lucia as a country. So I'll begin now. St. Lucia is a small island within the Eastern Caribbean, and we have a population of about 180,000 people. The main city or the capital is Castries, and we also have two major towns, one in the north and one in the south. Beaufort is in the north, and the other major town, Beaufort is in the south, sorry, and the other major town we have is Groseillies in the north. We are approximately 616 kilometers square wide, or 238 square meters. We are situated, of course, on a volcanic ridge that connects Martinique and St. Vincent and the Grenadines. And we have a coastline of approximately 158 kilometers. Can I have the next slide, please? Okay, so while we're waiting for the next slide, of course, that will give you a bit of information about St. Lucia, about the development along the coastline of the country. So you can see some of those images on this current slide. Can we move on to the next one? So some general information about the country. We are highly susceptible to natural disasters like hurricanes. Of course, we are also a volcanic island with a rugged topography and steep terrains. Our freshwater resources are derived from our rivers, our wetlands, streams, and springs. We have a total of 37 watersheds, and Roseau is the most significant of the 37. There is obviously a high degree of biodiversity. We have several ecosystems and habitats found on the island. There are also a variety of biological resources endemic to St. Lucia. Can we have the next slide, please? Like I said before, we are highly vulnerable to climatic factors. As a small island, we are very vulnerable to disasters. And those disasters, once we are vulnerable to it, or once those disasters strike, they take on a countrywide proportion. So when we have earthquakes, we have hurricanes in particular, we have most of the island, most of our citizens affected by that. Of course, because of the fact that we are situated on a volcanic ridge, we run the risk of having a volcano. Of course, we saw some of the activity happening in St. Vincent and the Grenadines, which is also connected to that same ridge. Our economy, when we look at our economy, we are highly dependent on tourism. And of course, because of our location and our vulnerability to climatic factors, this is a serious element for us. The next slide talks about our economy, which we were talking about. The main economic activity is tourism. And of course, we depend on other smaller sectors that contribute to the GDP. There are several industries, smaller industries, that also contribute to the GDP in the amount of 14.2%. And agriculture is scaled down to 2.9% when it comes to our dependence on the tourism sector for our economic mainstay.
there was a major transition from an agrarian-based economy to now a service-based economy, and of course we're known for our tourism in St. Lucia. The real GDP when it comes to St. Lucia in terms of our consumption, that amounts to over $2 billion. And when you get the breakdown of it per capita, it amounts to $449 US. The next slide, please. So this slide will give you a little bit of information about Wasco as a company. The Water and Sewage Company, Wasco, which is what the acronym stands for, Water and Sewage Company Incorporated, was first named the Central Water Authority in 1965. And from there, we continued our transition as a government agency into what we now know as the Water and Sewage Company. And that was ratified in 1999. Wasco is 100% government owned, and we are governed under the Water and Sewage Act of 2005. The main objective, or the mission of Wasco, is to promote collaboration, continuous learning, training and development of our human resource, foster teamwork and professionalism, emphasize accountability and commitment. We use appropriate technology and business processes in terms of our own operations. We deliver consistent, safe, and reliable water and wastewater services, resulting in excellent customer care and financial viability within a sustainable environment. Can we have the next slide, please? Wasco employs a total of 407 staff. In terms of our inventory and assets, we have 6 trucks, we have 3 backhoes, 4 SUVs, 1 excavator, and 76 pickup vehicles. We have our main laboratory, which is the Thebes Water Treatment Plant, as well as the Bosaju Wastewater Treatment Plant. So we do have both water and wastewater treatment facilities. We have a number of, several thousand users, 67,000 connections we have across St. Lucia. That includes both domestic and commercial connections. Can we have the next slide, please? When it comes to Wasco, we do rely on the Water Resource Management Agency for support in terms of the protection, control, allocation, and use of the country's water resources. We also work very closely with the Forestry Department, which is in charge of watershed management. And of course, we have a legal mandate at Wasco of developing and managing water supply and sewage services to customers. The regulatory commission that pretty much dictates the cost of water and the framework in terms of what our mandate is the National Utilities Regulatory Commission. That body regulates water and electricity sectors here in St. Lucia. Can we have the next slide? Okay, this slide gives you an idea of the key policy and legislative planning instruments that govern Wasco. Of course, it includes elements where our
partner agencies like the WRMA, the Forestry Department, and so on, are very much involved in terms of what WASCO is and what its mandate is in terms of the provision of water and wastewater services for St. Lucians. Can we have the next slide? Okay, so this brings me to the end of my part of the presentation. And now I will hand over to Chatal, my colleague, who will be talking more about the technical aspects of WASCO. Thank you very much. Good morning, everyone. I am Chantal Gaston, Senior Laboratory Technician at the Boisseju Wastewater Treatment Plant within the Wastewater Department. Next slide, please. A rapidly increasing population and growing tourism sector resulted in significant increases in surface water withdrawal and consumption. And with here, you would see a pie chart depicting our various areas, that is domestic tourism. Next slide, please. Wastewater services. The wastewater department is the only national wastewater utility company here in St. Lucia, which comprises of 90% of households which rely on on-site sanitation facilities, that is toilets with septic tanks or pit latrines. 7% of the population, that is Castries and Grosseteague districts here in the north, has access to the public sewer system. Our network services, that is within the wastewater department, our coverage of site treatment has a total of 4,453 connections, that is island-wide, both north and south, consisting of 8 networks. Next slide, please. Okay, here is the Boisseju treatment plant, which is situated in the north, which comprises of a process with the use of stabilization ponds. We have 2 ponds in parallel, each with anaerobic and facultative sections, both equipped with aerators, followed by 3 maturation ponds, which runs in series. Ponds 1 and 2, which focuses on biological oxygen demand removal, and the remaining ponds focuses on pathogenic and nutrient removal. This basically ensures that the effluent is safe and is in conformity with regulatory standards prior to disposal into the environment. Next slide, please. Okay, within the wastewater department, Castries is served with a wastewater collection system, which basically discharges raw sewage into the marine environment via a near shore or fall. Our industrial wastewater section is either partially treated and discharged into a natural water course, or untreated. Next slide, please. Here you can see the 2 pictures depicting our problems encountered within the wastewater department. We have poor sewage treated and disposal results in high bacteriological levels in some coastal areas and affects the health of the local population and the environment. The first picture to my left, you will see untreated sewage being disposed into rivers and seas. And to my right, you will see grease or oil into systems,
which results in problems such as blockages and pump failures at our pumping stations. Next slide, please. Okay, the National Wastewater Policy and Strategic Plan, which is awaiting adoption, outlines its intention to government to do the following: to undertake the expansion of the sewage network in areas of high population densities, for example, Castries, to investigate the feasibility of wastewater use, and to strengthen the capacity of monitoring and regulatory agencies. Next slide, please. The needs and expectations for the Caribbean Sand project. Our needs branches out into human, material, and financial, a wastewater manager, packaged wastewater plans for Castries and other communities, as highlighted in our previous slides, our challenges outlined, upgrade to wastewater treatment facility at Bossy Issue, relocation of wastewater laboratory. Our specific training areas includes wastewater management or quality management, health and safety in wastewater management, maintenance of wastewater networking systems, and our expectations, technical and institutional, capacity building in specific field, visibility, partnerships, and creation. Basically, with the Caribbean Sand project being on board, we would definitely accept the offer in that to increase our capacity and also to basically to ensure environmental sustainability of wastewater systems island-wide, and also to encourage our citizens to be on board with encouraging wastewater systems and to be part of the whole environmental sustainability and growth for St. Lucia. Next slide, please. Okay, I would like to thank you for our presentation. This brings me to the end for St. Lucia. Merci. Oui, merci à nos amis Saint-Luciens. Est-ce que vous m'entendez? Je repasse juste le son. Oui, ok, super, merci. Alors, nous allons passer à la présentation suivante, qui est celle de la DOASCO. Alors, il y a deux questions, effectivement. Alors, on peut faire une pause question, ce n'est pas un problème. On n'est pas trop mal dans les temps, mais rapidement. Alors, qui a pris Pascal, Moll et Camille Madec qui ont deux interventions. Alors, Pascal d'abord. Ma question, je pense qu'elle est assez claire. Hein. C'est comme la présentation a parlé de lagunage à Nairobi. Je voulais avoir une question un peu sur le ressenti des gestionnaires d'assainissement sur cette technologie-là. Je vais me permettre juste, Pascal, parce que on n'est pas encore au moment de l'échange sur la vie de tout. Enfin voilà, il y a un temps de questions. Il n'y a pas de souci. Pardon? On pourra le faire plus tard, pas de souci. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, dans l'ordre du programme, c'est pas pour être psychorigide, mais dans l'ordre du programme, chacun vient présenter son organisme et son pays. Et ensuite, avant la fin de la matinée, nous aurons un temps de questions-réponses. Donc, notez bien vos questions dans un coin, et nous les balayerons de manière générale. Voilà, sans vouloir te couper, Pascal. Alors, Camille, je t'en prie, prends la parole. Oui, bonjour. C'était juste pour savoir s'il existe la norme de rejet
d'eau usée à respecter en sortie de station d'épuration, puisque ce sera une norme importante à connaître pour toute la suite du projet dans chacun des pays dans lesquels nous allons travailler. Mais pareil, on peut en rediscuter tout à l'heure. Ah, absolument. On se met la question dans un coin de la tête et on revient vers ces réponses-là à la fin de la matinée. Merci. Alors, je vais maintenant partager la présentation de la DOASCO et je vais demander à Magnus Williams, que j'ai rencontré il y a quelques années. Alors, est-ce que Magnus, tu es parmi nous? Yes, I am. Good morning. Perfect. I'm very glad to see you again. Likewise. Alors, je te donne la parole. Okay, I can't see the presentation as yet. Un tout petit peu de patience. J'avoue que ça avance pas non plus chez nous. Je suis sur la première diapo. J'essaie de faire avancer. Est-ce que vous voyez la deuxième diapo? Non, toujours la première. Alors, ok. I can't see any slides. Ok, je recommence. C'est bon. Je recommence. C'est bon. Alors. Deuxième diapo, tu peux avancer. Voilà. Mm-hmm. Je pense que c'est bon là. Ok, yes, now I can see the slide. The first. Merci. Slide. All right, so good morning once again. My name is Magnus Williams, Chief Engineer at Dominica Water and Sewage Company. And I'm basically just going to give an overview of Dominica and my company, DOASCO, and some of the issues related to wastewater management in Dominica. Next slide. So just some general information about the country. We are a very tiny island. Population at the last census, which was about 10 years ago, and we are due for a new one, but it was just over 71,000 people. Again, very small land mass, area of only about 750 square kilometers, and typical to most of the islands of the Eastern Caribbean. Our natural hazards, which we are susceptible to, are tropical storms and hurricanes, earthquakes, and of course, volcanic eruptions, being a volcanic island. We have a very rugged topography. Most of the interior is very mountainous, so 80% of the population actually lives along the coast, and that represents about 24% of the total available area. Our main economic activities previously used to be agriculture, but that has really fallen back. And right now it's mainly tourism, but also we still do some agriculture. And now increasingly, our financial services are becoming a major part of our economy. Next slide, please. Next slide, please. Yes, it takes time just to change. Okay, is it good? Yes. Okay, so our climate is tropical. Temperature range, again, not much cold temperature. The range is 15 to 34 degrees, but most of the time it's in the 20s. High rainfall and high humidity, greater than 70% a lot of the times. Hurricane season, well, as everyone should know, runs from generally June to November. And our dry season is the other 6 months, but the peak of that is mainly between April and May. As I mentioned before, high rainfall from 1.2 meters to as high as 7.6 meters in the interior of the island. So we're very rainy, rainy island. We are known as the island of 365 rivers, but of course, we
actually only have about 80 rivers which pour along our east and west coast, and 9 of those are considered to be major rivers, average daily flows in excess of 50,000 cubic meters per day. And the total discharge to the sea from all these rivers is estimated at about 1.4 million cubic meters per day. This map just shows some of our different water areas on the island. We are separated into about 43 separate water areas. So this map just shows the boundaries of the different water areas. Next slide, please. All right, so just some key figures. In Dominica, we have a high level of access to potable water. DOWASCO supplies just approximately 98.5% of the population, and the remaining 1.5% depend on some private and small community managed systems. So generally speaking, we are about 100% or very close to that. Access to sanitation, again, only 20% of the population is served by a centralized sewage system managed by DOWASCO. Most of the island are served by their own private septic tank and soakaway systems. And there are also a few decentralized wastewater treatment plants which serve special government housing apartment complexes. And some of those have communal septic tanks, and we have one or two that actually have more advanced treatment, but those are not managed directly by DOWASCO. In terms of some of the problems we have with respect to sanitation, again, because of the soil types, we have a lot of saturation that happens to some of the soils from the effluents from wastewater due to overloading and sometimes poor design. So the systems perform poorly, and then we have these issues of saturation and poor percolation, of course, so the water can't really go down through the soils. Of course, some of that leads to contamination of rivers and our coastlines. We have high levels of nutrients that are sometimes going to the environment, leading to eutrophication. And of course, we mainly utilize surface waters, but all of these overflows and lack of treatment could lead to potential contamination of groundwater resources. And of course, even though we do wastewater treatment, the level of treatment itself is not adequate because we mainly do only primary treatment. So there is need for increasing the level of treatment to higher standards, such as tertiary treatment. Next slide, please. In terms of our sanitation infrastructure, DOWASCO only manages three sewage networks. One for the capital is the Betong wastewater treatment plant that serves Roseau and the immediate environs. And it has a capacity of, the capacity of the plant is roughly 2,300 cubic meters per day. That system only does primary treatment, and the water is then, the effluent is then discharged via marine outfall to a distance of about 1,200 feet at a depth of 200 feet. We also have two small sewage networks at two suburban communities on the west coast, a bit north of Roseau. One of them is Jimmit and the other one is Kenfield. So those do not have treatment per se, but just communal tanks and then outfalls along the coast. So that's a picture of our Betong plant right there. Next slide, please. All right, in terms of actors working in sanitation, of course, DOWASCO, we have the mandate for water supply and sanitation, as well as management of the resource. We have the Ministry of Housing and Urban Renewal. They are the ones that are responsible for some of the treatment plants that are located in these government housing complexes, although in the future, those might be taken over by DOWASCO. We have the Ministry of Health, Wellness, and New Investment
through the Environmental Health Department. They are responsible for monitoring wastewater treatment and the quality of environmental waters around the island. And of course, we have a lot of these private vacuum truck companies which are responsible, or the part of their business is to pump out septic tanks and treatment plants and then dispose that wastewater to our plants for processing. So they are becoming a major player in that area. And of course, with respect to national policies regarding sanitation, the Water and Sewage Act speaks to that. We also have an integrated water resource management policy, which is only a draft, but a lot of what is included in that policy guides some of the actions that take place in the sector. And of course, we have our National Resilience Development Strategy 2030, and a lot of that speaks to improvement of the level and the coverage of wastewater treatment in the island. We have a target of 2030 to have a lot of these improvements in place. Next slide, please. All right, so just an overview of my company, Dowasco. On the screen, you could see our vision. Dowasco, the steward of our national treasure, enhancing lives by providing quality, affordable water and sewage services in an environmentally sustainable manner. And our mission statement, Dowasco is committed to enhancing lives by providing quality, affordable water, our national treasure, and sewage services by developing our human resources, applying innovation in an environmentally sustainable manner. And our slogan, which we have developed recently, Dowasco, our water, our treasure, our life. And the company basically is wholly owned by the government of Dominica, and it was established as a water and sewage company by an act of parliament, number 17, in December of 1989. Next slide, please. Okay, just some more data on Dowasco. We employ 116 full-time staff and 29 part-time staff, which are basically our water system caretakers. We have approximately 23,000 water customers. That's all over the island. We have approximately 3,300 sewer customers. Okay. And these are focused in the three service areas I mentioned before, Roseau, the capital, as well as Jimmyton, Kingville. We have our laboratory, which mainly focus is on ensuring that we provide potable water, but is also equipped for doing testing related to relevant wastewater parameters, including BOD. And some of our resources in our sanitation department, we have a vacuum truck and high pressure trucks that are responsible for clearing blockages from our network, and also sewer inspection camera that also assists with identifying those blockages and ensuring that our system operates properly. Next slide, please. Okay, and finally, we come to the needs and expectations for the Caribsan project. In terms of needs, by way of resources, we would require some additional staffing, vehicles, and equipment to operate and maintain the new wastewater treatment plants that could eventually be set up out of this project. We'll be requiring financing for development and upgrading of our other water treatment plants after the pilot project ends, because we believe that this project will only be the beginning, and we will want to do quite a few more projects going forward once this is completed. In terms of training, we hope that the project will strengthen the capacity of our staff to design and maintain the wastewater collection and treatment systems, especially those involving planted filters. And in terms of expectations, well, we hope to create partnerships, foster meaningful relationships with our project partners,
which will extend beyond the project and lead to future mutually beneficial collaborations. Next slide. Yes, so that's all. I thank you for listening. Thank you. Goodbye. Thank you, Magnus. Merci beaucoup pour ton intervention. On voit que la Dominique est un pays riche en eau, en tout cas. Voilà. Pas de besoin d'eau. Voilà. Alors, nous allons maintenant donner la parole à un acteur qui fait le lien entre tous les acteurs de la Caraïbe sur l'eau et l'assainissement. Donc, la CAWASA, l'association CAWASA. Monsieur Ignatius Jean, si vous pouvez prendre. Alors voilà, monsieur Ignatius Jean, vous êtes salué même personnellement par le président Salibert. Yes, thank you very much. And I'd like to thank President Salibert and wish him greetings from all our friends in St. Lucia. We are well connected, and so this is a great opportunity to partner again with the French Antilles and with Cuba. The Caribbean Water and Sewage Association is an association of 12 water utilities around the region. We were formed in, it has a long history of being back somewhere back in the 90s when it was first a project, and member countries thought it necessary to maintain the organization as an association to serve them, to promote the efficient management of their operations as members, and to help with forging partnerships and better relations as water utilities in the region. The president of the association is Mr. Christopher Husbands. He's the general manager of the Water and Sewage Authority of Grenada. And we have the vice president is Mrs. Pauline Scatliffe-Leonard of the British Virgin Islands Water Department, Water and Sewage Department. Mr. Ian Lewis of the Antigua Public Utilities Authority is the secretary. Of course, the treasurer, because of logistics, is always the general manager of WASCO, and that is Mr. Edmund Regis, based in St. Lucia. And Mr. Bernard Etinoff, I think, who is on the call here now, is the immediate past president and has been serving CAWASA for a long time. And of course, our program officer, Mrs. Suzanne Joseph, who is really the engine room at our headquarters. Next slide, please. So our membership, next slide, please. Our membership comprises utilities, as I said, from Antigua, Antigua Public Utilities Authority, the Water Authority of the Cayman Islands, the National Water and Sewage Authority of Grenada, the Water Services Department of St. Kitts, and of course, Nevis has a water department, although they are one state, but they each have separate water departments. So we have Barbados, the WASCO in Dominica, Montserrat, St. Lucia, WASCO, and of course, the Turks and Caicos Islands, and St. Vincent and the Grenadines. Our principal mandate is to provide training and capacity building for our various operators and of of our member utilities. And we provide the only certification program in the region, as we are the authorized agents for the American-based Association of Boards of Certification. So we offer the certification exams for our water and wastewater operators. And we do coordinate several conferences, seminars, and particularly the type of collaboration like we are doing now. We have helped to facilitate such collaboration and advise on policy and legislation regulations to various member
utilities as well as their governments. And of course, we do support studies and help our members in conducting surveys and identifying projects for cooperation. Next slide, please. Well, we are, as a water operators, we have facilitated quite a bit of water operators partnerships. And because of our association with the Global Water Operators Partnerships Alliance of the United Nations under the UN Habitat Program, GWAPA, they are now headquartered in Bonn, at the UN headquarters in Bonn, in Germany. And we have helped to foster lots of partnerships. That is a peer-to-peer arrangement where it's a facility that allows utilities to mentor other utilities, and the operators can engage each other. So it's what you may call the sort of twinning, and in the Creole we say jumelage. And so that is the sort of thing that part of what we are doing now is that type of water operators partnership and cooperation. It is to be between more public sector agencies, and it is not for profit. Next slide, please. We have, among some of the cooperation projects that we have done and helped to coordinate with the support of the Global Water Operators Partnerships Alliance, the GWAPA, there was one of those we did between Belize Water Services and the Contra Costa Water District in California, where they were looking at non-revenue water reduction, and which led into helping the operators themselves in looking at their own training and building capacity, as well as looking at aspects of occupational safety at the workplace. So that we have done with Contra Costa as one of those. And I should let you know that we have a broader, what we call in the Caribbean, a WOP, Water Operators Partnership of the Caribbean, called CARIWOP, which is a partnership. It is co-chaired by the CAWASA and the Caribbean Water and Wastewater Association, which is the association of professionals, and they're based in Trinidad. They have had relations as well with the Water Office in Martinique, and I think they have, Water Office of Martinique has participated in their conferences, which is scheduled for October, and it is the session that holds the high-level forum of water ministers in the Caribbean region. Next slide, please. As I mentioned, among the other, a few of the other partnerships we have collaborated on as the multi-partner WOP, which we initiated with the UN system in 2015 in Haiti. Because of a lot of the turmoil in Haiti, we have not been able to continue this intervention, but we did make some good progress. And we hope someday soon, when things are normalized, we would be able to get back into the country. Next slide, please. We also have had the collaboration with Hamburg Wasser and Wasco, which we were very much part of in helping to coordinate. It was a collaboration with Wasco in St. Lucia, but it also invited other utilities who are members of CAWASA to participate in that water operators partnership. And one of the local tertiary institutions in St. Lucia, the Sir Arthur Lewis Community College, and that was to deal with non-revenue water reduction and management. Next slide, please. So just to give a little synopsis of some of the performance of utilities, it just gives you, although it's a little dated, that is extracted from a study done by the Caribbean Development Bank in 2012. Which just showing the various populations served by the various utilities and the water coverage generally. As you can see,
Most of the utilities have well over 90% of coverage, and I think in the Caribbean region, most all of our members have a pretty close to 100% coverage of potable water to the citizens in the country. I think where we are falling short is that to do with wastewater and sewage. Next slide, please. Again, I just wanted to give you a synopsis of the various sources of water, particularly among our membership in the English-speaking Caribbean. It's mainly in places like Barbados, Guyana, and Jamaica. It's mainly groundwater, surface water in the Windward Islands of Grenada, Dominica, St. Lucia, St. Vincent, and the Grenadines. Rainwater harvesting is being promoted, but it is not the principal form of collecting water. And of course, desalination in some of the drier territories where they are very water scarce, such as Anguilla, Antigua and Barbuda, Barbados, the Bahamas, Belize, and the Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands. Next slide, please. Water governance, of course, most of the utilities are wholly owned by governments, and they are almost operating as monopolies because there are no competitors per se in the delivery of water, potable water or sewage services. And of course, some of them are statutory corporations or wholly owned government companies. Others are departments within a government ministry. And there are some of the suppliers of desalinated water who operate, they do the design, build, operate contracts and sell bulk water to the utilities. And of course, most of the countries do have, well, I should say, many of the countries do have regulators, economic regulators, such as the Bahamas, Belize, Guyana, Jamaica, St. Lucia, Trinidad and Tobago, and recently, just about a year ago, that Grenada had their public utility regulator in place. In fact, some of the countries do have water resource management agencies, as Wasco pointed out, to help with the regulation of the abstraction of water and to the water source protection and maintenance. Next slide, please. Our partners in the region in governance, and we have a lot of partners in the region that, as CAWASA and our utilities, we help to bring all our partners together with those international donors such as the Caribbean Development, the Inter-American Development Bank, the European Union, the World Bank, the Food and Agriculture Organization, USAID of DFID of the British government, and GIZ of the Germans, and ACID of the Spanish government, and I should have had the AFD of France. Regional partners include, of course, the CARICOM Community Secretariat, the OECS Secretariat, of which I believe that both Martinique and Guadeloupe are now associate members of the OECS, and that helps even to strengthen what we are doing in terms of building the partnerships and bonds. The Caribbean Public Health Agency, the Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology based in Barbados, the University of the West Indies Center for Research, Environmental Research Management, etc. The Global Water Partnership Caribbean, I think we met we were hosted by the ODE, the Water Office of Martinique, somewhere in 2016, I believe, or 2015, the Caribbean Agricultural Development Institute, and a range of the United Nations institutes in the region, as well as the Water Offices of Martinique, and now the International Water Office. As I said earlier, the Caribbean Water and Wastewater Association, CWWA, it is the forum of the professionals in the Caribbean region, and they do host an annual conference that brings together all the ministers responsible for water and wastewater in the region. In fact, they have added on an additional session for
ministers dealing with just with solid waste, because that is very important for us in the region. And of course, I've also mentioned CARIWAP and the relationship with the UN Habitat, GWAPA. Next slide, please. Just to give you another synopsis of market size and share in terms of wastewater users, as I indicated, many countries, I think the only country that has up to about 30% of wastewater coverage would be Trinidad, where they are doing somewhere over 30% of sewage collection and treatment. Most of the other territories really, as indicated by Wasco and the Wasco, most of the, because of the terrain and the cost, many of the most developments or residential developments depend on septic tanks and soakaway systems. There's still pockets of pit latrines around the place. And largely around the capitals of these countries and some of the touristic areas, you would find a central sewage system. But largely, a lot of the sewage is not treated, and the effluent, raw effluents, is disposed in the oceans. And that is perhaps one of the biggest secrets for us in the region, some of the hazards that we have in our marine environment, and which is why this project is so important to what we are doing to look at alternatives. Next slide, please. Again, this is just a, well, I have already given you a synopsis of, so we can jump. Alors, je vais juste me permettre une petite coupure pour demander à notre orateur d'accélérer un petit peu. Hein, parce qu'il, est-ce qu'il y a moyen de faire les deux dernières diapos en une minute, Ignatius, s'il vous plaît? You can skip right away. Merci. I have already given you a synopsis of the sewage coverage. And thank you very much. Most of the countries are way below that, and which is why this project is very important for building capacity among our utilities, and also forging the relationships between the participating utilities and countries. Thank you very much. Over. Merci, merci Ignatius pour votre présentation. Donc effectivement, on se rend bien compte que votre organisme est vraiment central dans le projet CARIBSAT, puisque vous faites vraiment le lien entre nous tous. Alors il nous reste encore, alors normalement en théorie un quart d'heure, donc on a un tout petit peu changé l'ordre des orateurs par rapport au programme, donc je vais demander à monsieur Laban, le directeur de l'Office de l'eau Guadeloupe, de bien vouloir présenter les chiffres sur la Guadeloupe ainsi que ses attentes du point de vue du projet. Et puis ensuite, ce sera Monsieur Moll de l'INRAE qui nous présentera l'INRAE. Et puis on finira par la directrice de l'Office de l'eau Martinique avant de conclure. Voter pour le logo. Merci. Alors, Monsieur Laban, vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez aussi? Oui, parfaitement. Merci. C'est à vous. Je vous remercie. Donc, bonjour à tous et à toutes en vos titres et qualités. Et merci de nous donner l'occasion de partager ce moment d'échange sur les bonnes pratiques dans l'usage de la technologie des filtres plantés. Donc, je vais vous présenter assez rapidement la Guadeloupe. Si vous pouvez faire avancer le slide, oui. Donc, nous avons une population au dernier recensement qui est de 404 635 habitants. Au 1er janvier 2021, c'est un archipel, la Guadeloupe, d'une superficie de 1 702 km² avec deux îles principales, la Basse-Terre qui est volcanique et montagneuse et la Grande-Terre qui est plutôt calcaire. Et donc, avec un climat qui est doux, avec des alizés comme une grande partie de la Caraïbe,
et une saison sèche, le carême, de janvier à juin, et une saison humide de juillet à décembre. Donc on a une température un peu comparable à celle de la Caraïbe en général. En revanche, on a une diversité qui est très riche. Si tu peux faire avancer le slide suivant, s'il te plaît. Allô, allô? Si on peut faire avancer le slide. Oui, voilà. Nous, on l'a à l'écran. Elle apparaît. Voilà. Oui. Donc, on a une grande richesse au plan de la biodiversité, puisqu'on a 500 hectares d'espaces naturels remarquables, les espaces Ramsar, et une réserve de biosphère et de zones naturelles d'intérêt écologique qui est de grande qualité, et un parc national qui couvre 3800 hectares, le cœur de parc, et on a une multitude d'îlets, et donc une biodiversité vraiment riche et diversifiée. Alors, au plan de l'activité économique, on a des secteurs traditionnels tels que l'agriculture et le tourisme, qui représentent un point important de l'activité économique, mais on a aussi l'émergence de tissus industriels avec la zone de Jarry à Bemao, où se développe une industrie et beaucoup d'activités de services. Et puis, de plus en plus, depuis ces dernières années, on a une activité d'agro-transformation qui est en pleine évolution. En revanche, on a un chômage très élevé, qui est de l'ordre de 60% de la jeunesse. Et donc, c'est une préoccupation importante pour nous et une population qui vieillit de façon préoccupante. Alors, on a une situation administrative qui se caractérise par une région, la coexistence d'une région et d'un département, 33 communes et 5 EPCI. Donc, on a des échelons administratifs très diversifiés. Sur le sujet qui nous intéresse, le slide suivant, jusqu'au 1er septembre, on avait plusieurs opérateurs, on avait 5 opérateurs avec une multiplicité de prix de l'eau et de l'assainissement. Cette situation est en voie d'amélioration puisque avec la création de la structure unique au 1er septembre, on a une politique de convergence tarifaire à la fois sur l'eau et sur l'assainissement. Et sur ce problème spécifique, comme l'a dit la présidente en introduction, dans les priorités du SDAGE, l'assainissement revêt pour nous un sujet principal parce que dans les travaux de contrôle que nous effectuons dans le cadre des missions de l'Office de l'eau, on se rend compte que sur les stations d'épuration inférieures à 2000 équivalents habitants, on a un nombre élevé de non-conformités, voire de stations qui sont en arrêt. Et donc l'Office a pris des initiatives de rencontre avec les bailleurs sociaux, les municipalités et les autres partenaires, de manière à ce que dans les règles d'urbanisme, les procédures soient mieux respectées, parce qu'il existe encore aujourd'hui des délivrances de permis de construire dans des zones où l'assainissement est des plus préoccupants. Alors l'Office, dans le cadre de son PPI, a développé des appels à projets dans lesquels on promeut la technologie des filtres plantés. On a un dispositif qui est opérationnel dans une école à Bemao en Grande-Terre, à Petit Canal en Grande-Terre, en proximité d'une école de 350 élèves avec deux bassins de 50 mètres carrés et qui fonctionne de façon remarquable. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est que, à l'occasion de nos débats, on puisse vraiment inscrire la technologie des filtres plantés comme solution à utiliser par les opérateurs pour réduire les rejets liés à l'assainissement, parce que chez nous, l'impact est important. On travaille en collaboration active avec l'ARS et chaque année, on se rend compte que la qualité des eaux de baignade augmente le nombre de plages qui ne sont pas recommandées du fait de ces rejets. Donc, on est partant pour qu'on puisse agir urgemment sur la problématique de l'assainissement parce qu'elle est vraiment proche d'un volet sanitaire qui est assez préoccupant. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment partager les bonnes pratiques, mutualiser comme on a l'habitude de le faire. On travaille en collaboration avec l'OIO puisqu'on a fait des diagnostics sur tous les dispositifs d'épuration
de manière à prescrire un entretien, une mise en conformité et un fonctionnement qui préserve les milieux aquatiques. J'ai été bref et court de manière à tenir le timing. Merci de votre attention. Allô? Oui. On continue? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il reste encore deux diapos. Est-ce que... On continue? Non? Je vous ai pratiquement tout dit. Puisque c'est parfait. Il nous manquait juste votre photo à l'écran, donc vous apparaissez. Là, c'est... Pas encore, oui. Voilà, si, mais ma caméra. Et avec votre caméra, on vous verra en direct, ce serait parfait. Voilà. Alors, est-ce qu'on vous voit? Non, pour l'instant, je ne vois pas. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Il est là. Enfin, non, je ne vois pas. Alors, merci Monsieur Laban. Est-ce que Pascal, tu pourrais nous présenter l'INRAE en 2 minutes? Ah bah, c'est... 2 minutes. Bonjour, je vais essayer de faire court aussi. Est-ce que vous voyez correctement l'écran? Oui, on le voit. Je coupe mon micro. Donc, je vais vous présenter l'INRAE. Donc, moi, je suis directeur de recherche à l'INRAE, dans une unité de recherche, donc on va parler un petit peu, qui s'occupe d'assainissement. Donc INRAE, ça, Jean-Marc Schubert l'a dit tout à l'heure en introduction, hein, donc c'est la fusion de deux vieux instituts de recherche publics français, et dont maintenant l'objectif est de travailler sur tout ce qui est agriculture, alimentation et environnement, pour pouvoir répondre aux grands enjeux sociétaux liés au changement global, à la lutte contre, limiter les effets du changement climatique, la biodiversité, etc. Donc, il y a plusieurs centres de recherche INRAE en France, plusieurs, et y compris un aussi en Guadeloupe. Donc, l'unité de recherche Riversal, dans laquelle j'appartiens, travaille sur tout ce qui est la réduction des impacts, la réutilisation des eaux usées, la valorisation de certains éléments qui sont présents dans les eaux usées. Donc on s'occupe principalement de faire de la recherche avec aussi un appui aux politiques publiques, donc que ce soit sur les eaux urbaines, donc les eaux usées domestiques, mais aussi les eaux pluviales ou les boues des stations d'épuration. Donc c'est une unité de recherche qui a à peu près 40 personnes et qui depuis un peu plus de 40 ans travaille précisément, entre autres, sur tout ce qui est les filtres plantés de végétaux. Donc c'est dans cette unité qu'a émergé les recherches sur ces systèmes-là en France et qui a fait percer la filière. Et on a même une plateforme de recherche dédiée à ces systèmes de traitement végétalisé. Donc là, c'est pour présenter un peu les 4 axes de cette unité de recherche. Donc un axe sur la réduction des émissions, aussi bien des gaz à effet de serre que limiter l'énergie, etc., ou améliorer les traitements. Un axe sur développer des technologies permettant d'aller jusqu'à la réutilisation des eaux usées traitées. Un axe sur donc la récupération des ressources, que ce soit l'azote, le phosphore, mais aussi bien le métal ou le carbone. Et un axe plutôt côté digital innovation sur aussi bien tout ce qui est comment contrôler ces ouvrages de traitement que de pouvoir les simuler ou développer des outils d'aide à la décision pour faire des choix stratégiques en termes de scénario d'assainissement. Et donc ça, c'est un des volets qui sera intégré dans le projet Caribsan. Donc en termes de projet antérieur, ça l'a déjà été dit sur le projet Attentive, mais je voudrais aussi rappeler que aussi bien pour Attentive que l'action qu'on a avec l'Office français pour la biodiversité depuis plus de 10 ans sur la problématique d'assainissement dans les départements d'outre-mer. Donc ça fait longtemps qu'on travaille sur le sujet et je voulais quand même rappeler que c'est quand même l'Office français pour la biodiversité qui a financé en grande partie ces deux projets, que ce soit les actions qu'on mène depuis plus de 10 ans ou le projet Attentive. Et donc rappeler aussi, j'ai envoyé les liens dans le chat, qu'il y a un guide en anglais et en espagnol qui ont été réalisés à l'issue de ces projets-là. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Peut-être rappeler aussi, parce que je trouve ça important en lien avec ce projet-là, c'est que là, on est dans 2 nouveaux projets européens, projets de recherche H2020,
Un qu'on a en coordination, le projet multisource, qui est sur le développement d'outils intégrés pour améliorer l'utilisation des solutions fondées sur la nature pour le traitement des eaux. Et l'autre qui est le projet NICE, sur lequel on est partenaire, qui est aussi sur les solutions fondées sur la nature pour la gestion des eaux urbaines. Donc à chaque fois avec des développements technologiques pour améliorer les traitements, et puis à la fois aussi sur le développement d'outils décisionnels intégrés pour pouvoir faire des planifications de scénarios d'assainissement. Voilà. Alors après, en termes de lié au projet Caribsan en lui-même, en termes de besoins, nous, on va recruter un ingénieur pour travailler sur ce sujet-là. Et puis, en termes d'attente, nous, c'est à la fois arriver à trouver des plantes locales qui sont adaptées à cette technologie, qui pourraient être différentes de celles qu'on a étudiées en Guadeloupe ou en Martinique. Et puis, c'est de développer une méthodologie pour pouvoir faire des études de faisabilité d'implémentation de ces types de filières. Donc, TW, c'est Treatment Wetland. Donc ça, j'en parlerai un peu plus demain, donc je ne vais pas le détailler. Et puis, il y a une faute de frappe, c'est Training Local Trainer, c'est-à-dire notre but aussi, c'est d'aller former les formateurs qui seront sur place et puis travailler sur la partie 2 de Caribsan. Je vous remercie. Oui, merci Pascal pour ta présentation succincte de l'INRAE. Donc, est très précise. Voilà. En tout cas, on comprend combien vous êtes un acteur incontournable pour Caribsan. On va terminer toutes les présentations par celle de la Martinique. Et je passe la parole à Michela Adin qui va vous faire la présentation. Donc, je vais déjà partager le PowerPoint. Voilà, alors attendez, je l'ai pris en français, mais en vérité, j'ai pas pris la version anglaise. Alors, excusez-moi. Oui, on a une onde tropicale qui est en train d'arriver. La nature est contente, hein, parce que le mois de septembre a été sec. Alors, hop. Excusez-moi. C'est ce qui est en train de passer tout près de nous, là, vers le. Mon micro est ouvert. Très bien. Je vais arrêter. Oui. Très bien. Merci Gaëlle. Donc je vais essayer d'aller assez vite et vous revenir vers vous avec des informations un petit peu plus générales sur la situation en Martinique au regard de l'eau. Et donc, prochaine diapo, première diapo, s'il vous plaît. Donc, la Martinique compte 379 847 habitants. Donc, nous observons Martinique depuis 5 ans, une baisse assez sensible de la population. Nous en perdons beaucoup. C'est moins 3,2% en 5 ans. Donc, l'île compte 34 communes. Trois communautés d'agglomération, donc de regroupement de communes, une au nord, une au centre et une au sud, ainsi qu'une collectivité majeure qu'on appelle CTM, comme collectivité territoriale de Martinique. Elle compte 70 km de long et avec un sommet majeur qui est la montagne Pelée, connue dans le monde entier, je pense, hein, puisqu'elle a été suivie. Non, on va aller, hop, on va se faire notre petite fierté. Voilà, puisqu'on a ce volcan qui domine la Martinique. 40% de forêt tropicale, 21% de surface agricole, soit 27 000 hectares qui sont consacrés en majorité à la banane et à la canne à sucre, même s'il y a une démarche de diversification et d'agriculture vivrière qui est entamée par nos politiques. 450 km linéaires de côte, 161 rivières, dont 70 principales, 2000 zones humides, 107 sources et 2300 hectares de mangroves.
Nous repérons également 62 sites de baignade, dont 96% sont de bonne qualité. Et le territoire est classé un des 35 hotspots de la biodiversité mondiale, même si à l'Office de l'eau, nous sommes très inquiets par rapport à une diminution assez sensible de notre biodiversité ces dernières années. Je ne vais pas développer ce sujet qui fait un petit peu mal. Les cultures majeures, en tout cas les activités, les principaux secteurs économiques sont la culture banane, rhum et tourisme. Nous sommes également donc un département, en tout cas un territoire français. Nous appartenons à l'Europe et nous sommes membres de l'OECS, organisation caraïbéenne. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous souffrons, vous avez vu sur les chiffres que j'ai annoncés en première diapo, la Martinique est un territoire humide et riche en eau. Pour autant, nous avons une répartition inégale, à la fois dans l'espace et dans le temps, de la ressource en eau, puisque la ressource se situe notamment au nord de l'île, vous le voyez, avec la partie la plus foncée, et l'essentiel des pluies tombe en saison cyclonique, ce qui fait que, une partie de l'année, nous pouvons connaître une période de sécheresse assez sévère et la sécheresse, que ce soit 2019 ou 2020 en particulier, a vu un manque d'eau majeur à certaines périodes. Plus de 40 000 personnes n'avaient pas d'eau. Nous avons illustré avec une rivière, l'une des rivières qui est majeure en Martinique, la rivière Blanche, qui était à sec pendant la sécheresse 2020. Diapo suivante. Au niveau des chiffres de l'eau de manière un petit peu plus précise, 94% de l'eau potable est issue des rivières, donc des eaux de surface. Nous comptons 36 captages d'eau potable dans le nord, 47% de pertes entre la source et le robinet du consommateur. Donc, on en parlait tout à l'heure en off avec le président. Nous ne manquons pas d'eau, mais nous avons des soucis de gestion et d'exploitation de l'eau que nous prélevons dans le milieu. Nous consommons 165 litres d'eau en moyenne par jour et par habitant. Et le prix moyen de l'eau potable est de 2,58 € par mètre cube. Lorsque nous rajoutons l'assainissement, nous arrivons à 5,87 € par mètre cube au prix, le prix global, eau potable plus assainissement, ce qui nous situe en haut de la fourchette du prix de l'eau au niveau national, parmi les eaux les plus chères. Nous ne sommes pas les plus chères, mais nous sommes parmi les eaux les plus chères de France. Nous comptons 40 pesticides dans les rivières pour 2020, dont la chlordécone qui malheureusement existe également chez notre sœur la Guadeloupe. En ce qui concerne la gouvernance, nous avons un comité de l'eau et de la biodiversité, je disais tout à l'heure que c'était le Parlement de l'eau en local qui définit toutes les stratégies politiques par rapport à l'eau et qui définit aussi le schéma de gestion et d'aménagement de l'eau en Martinique, le SDAGE. En ce qui concerne les compétences eau potable et assainissement, contrairement à nos sœurs de la Caraïbe, que ce soit pour la Dominique ou Sainte-Lucie ou Cuba, ces compétences eau potable et assainissement appartiennent aux collectivités locales, c'est-à-dire qu'elles ne relèvent pas de l'État. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Nous avons, la plupart d'entre vous, diapo suivante, avez souligné la problématique majeure de l'assainissement dans vos territoires. Eh bien, nous sommes bien caraïbéens en la matière, puisque nous aussi, en Martinique, nous avons de gros soucis d'assainissement. 40% de la population est raccordée à l'assainissement collectif. Vous voyez sur la carte tout ce qui concerne les petites taches bleues, essentiellement sur le littoral. Nous avons de l'assainissement collectif avec 129 stations de traitement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons un contrôle à plusieurs niveaux, un contrôle notamment de l'État. Donc, l'État exerce un contrôle sur les collectivités pour ce qui concerne la police de l'eau.
L'Office de l'eau également exerce une partie de ce contrôle en termes de fonctionnement de ces dispositifs collectifs. Et en jaune, vous voyez que 60% de la population est installée, enfin en tout cas, est équipée en assainissement non collectif, donc des stations individuelles et particulières. Et vous voyez que c'est représenté en jaune sur la carte. Donc, c'est bien la grande majorité de nos équipements et qui pose un certain nombre de soucis de conformité, puisque 95% de ces équipements individuels sont non conformes au titre de la réglementation française. Voilà, donc on l'a mis en rouge, mais voilà, c'est une vraie problématique et effectivement, les filtres plantés, la technique que nous souhaitons développer avec Caribsan, nous l'avons expérimenté en Martinique sur au moins 3 sites et ça fonctionne très bien puisque nous avons un rejet qui, certains rejets avec 90% de conformité, c'est encore plus, me dit Lucas. Et donc, nous avons des sujets de développement à venir concernant l'assainissement, que ce soit sur le collectif ou le non collectif. Pour finir, dernière diapo, en termes de besoins pour ce projet, donc aujourd'hui, 4 agents de l'Office de l'eau sont mobilisés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous en avez 2 ici, Gaël et Lucas que vous voyez peut-être à l'écran, mais Peggy également doit être à l'écran, Aline n'est pas ici aujourd'hui, et moi-même en tant que directrice générale pour tout ce qui concerne l'appui sur les fonctions support, c'est-à-dire l'argent et puis la réglementation, n'est-ce pas? L'animation, nous avons un interlocuteur interreg, je vais le dire. Et puis, nous aurons besoin de vous avec une forte réactivité de vos partenaires, mais également avec de la complémentarité par rapport à nos missions et au partage de missions. Nous avons besoin, bien sûr, de votre confiance et de beaucoup de communication et de fluidité entre nous. Alors, vous avez eu le plaisir de faire la connaissance de notre nouveau président, fraîchement nommé, puisqu'il est installé depuis le mois de juillet, président, tu vas peut-être pouvoir le dire plus précisément, Monsieur Lucien Salibert, qui a pris le train en marche et qui, bien évidemment, nous encourage et nous soutient fortement dans cette dynamique Caribsan. En ce qui concerne nos attentes, nous espérons améliorer l'assainissement, bien sûr, on l'a dit, hein, dans la Caraïbe, mais en tirer également des leçons pour nous en Martinique, améliorer la promotion de ces processus par filtre planté, adapter l'ensemble au changement climatique et partager, bien sûr, des expériences comme nous aimons le faire dans la Caraïbe de manière pleine et nourri, voilà, donc de manière conséquente. Merci à tous, j'en ai terminé. Merci en pile en créole, gracias mucho, thanks a lot, merci. Merci madame la directrice. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Alors, nous arrivons pas loin de la fin de ce séminaire. Alors, j'entends plus personne. Oui, c'est bon. Vous m'entendez, tout le monde ? Un petit signe de main, si vous m'entendez bien ? Oui. OK, très bien. Alors, nous allons passer peut-être à l'animation la plus excitante de ce séminaire. Ça va être le vote du logo. Voilà. Donc, il y a une question. Est-ce qu'il y a des questions ? De l'AFD. Alors, moi, je ne les vois pas. Je ne vois pas la question de l'AFD. Non. Alors, de toute façon, le séminaire n'est pas terminé. Demain, il y aura aussi le temps pour des échanges. Oui, vous pouvez toujours nous faire... Oui, Marine Karcher. Oui, je vois que Marine a levé la main. Marine ?
Pardon, oui, excuse-moi. Non, c'était juste que tu as dit qu'il fallait se signaler tout à l'heure, qu'il y en avait. Si on t'entendait bien, je me suis signalée. D'accord, je me suis pas signalée, je m'excuse. Non, non, c'est parfait. Ça montre que tu suis le débat. C'est parfait. Merci. Alors, je vais donner la main à. Je crois que c'est Camille qui va faire. Camille Madec, qui va se manifester pour mettre en ligne le lien qu'il faut pour voter pour le logo. Alors, on va remettre les logos peut-être aussi à l'écran. Alors, qui. Alors, bonjour à tous. Je vais partager mon écran d'abord pour que tout le monde puisse se rendre sur le site pour justement pouvoir voter. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, vous devez avoir à l'écran un lien. Est-ce que ça marche, le partage d'écran ? C'est bon ? Je vais alors également mettre le lien sur le chat. Donc dans le chat, dans la conversation, vous pourrez trouver le lien pour directement aller sur le site de WooClap, qui est le site qui va nous servir pour faire le sondage. Donc sinon, vous pouvez aussi, pour aller plus vite, si vous avez un téléphone à proximité, flasher le code qui apparaît à l'écran et vous allez directement arriver sur le site de WooClap. Donc je vais. Oui, vas-y. Ah pardon, si j'ai la main. Oui, vous m'entendez, pardon. Oui, juste pour dire, au niveau des règles de vote, en fait, tout le monde peut voter. Si vous êtes 10 dans la pièce, vous pouvez faire 10 votes. On n'a pas de vote unilatéral par pays, parce que on participe tous au projet et qu'on peut avoir des sensibilités, on va dire, artistiques différentes. Donc, voilà. C'était quoi est la capitale de Cuba ? Donc là, je vous ai affiché une petite question test. Donc, c'est pour vérifier que tout le monde arrive à se connecter au site et on va faire un premier petit sondage. C'est juste pour vérifier que ça marche chez tout le monde. Donc là, je vois qu'il y a 16 personnes qui sont connectées et 10 qui ont voté. Alors, nous, on est en cours de connexion. Il faut être un tout petit peu patient. Pendant, j'en profite pour rajouter, vous pouvez choisir dans WooClap la langue qui donne les instructions si vous souhaitez mettre en anglais ou en espagnol. Mais comme il n'y aura que deux questions, normalement, ça devrait être assez simple. Donc, il y a 20 personnes de connectées. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Alors, on faut mieux prendre le lien envoyé par Philippe, voilà, parce que sinon, l'autre lien demande des liens de connexion, voilà. Est-ce qu'on a une progression sur le nombre de participants ? Donc, on a 22 personnes connectées, 17 qui ont voté. Alors, moi, j'ai plus de 28 personnes connectées. Alors effectivement, je pense à nos amis cubains qui sont, je crois, au moins une petite dizaine dans le bureau. Peut-être il faudra rajouter, parce qu'il n'y a qu'un seul lien qui va être fonctionnel, nous dire combien vous êtes pour le logo 1, logo 2, logo 3. On va vous remettre les logos à l'écran de toute façon. Est-ce que nos amis cubains nous entendent ? Est-ce qu'à Cuba, voilà, est-ce que WooClap fonctionne ou est-ce que vous allez voter à l'oral ? Funciona para la... en Cuba? El WooClap funciona? Si WooClap ne marche pas, c'est une petite animation. Vous pouvez aussi mettre dans le chat combien vous avez de votes pour le logo 1, combien vous en avez pour le logo 2 et combien vous avez pour le logo 3. Voilà. Alors, on va remettre les logos. Est-ce Attends, je... déjà, on va terminer le test là. Est-ce que je m'arrête là ? Il y a donc 23 personnes qui ont voté. Alors, il est midi 56 pour nous.
Et on a un quart d'heure de retard, mais c'est le quart d'heure caraïbéen. Donc, dans ce cas, oui, on va voir les résultats. Donc, on a bien les 23 personnes qui ont voté donc, sur vos claps pour faire le petit test là, sur la capitale de Cuba. Donc, maintenant, je vais pouvoir lancer le sondage sur le logo. Et donc, vous allez voir apparaître le nouveau sondage avec sur votre écran, normalement, donc de téléphone ou d'ordinateur. Vous voyez l'image des trois logos. Et vous pouvez prendre le temps donc de zoomer sur chacun d'eux et de choisir celui que vous préférez. Donc là, il y a 15 personnes qui ont voté. Je vais juste ouvrir le micro. Parce que le président Salibert voulait partager voilà, ses impressions sur les trois logos. Simplement, ce que je voudrais dire à tous, rebonjour à tous. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une œuvre d'art, chacun porte son appréciation en fonction de ses sensibilités propres et puis de sa vision du logo. Personnellement, je vais choisir entre le premier et le deuxième parce qu'il manque chacun d'eux. Je ressens quelque chose personnellement au travers de chacun d'eux. Le premier qui semble être embarqué sur un bateau à la recherche certainement de toute la Caraïbe. Ça me paraît embarquer la fleur sur le bateau à la recherche de la Caraïbe de l'Union. Ça me semble personnellement très parlant. Le deuxième me plaît aussi beaucoup parce que le cercle représente l'union et la fleur à l'intérieur effectivement transforme l'eau polluée en l'eau claire. Donc, c'est vrai que le deuxième aussi me parle beaucoup. Le troisième, un peu moins, il ne me dit pas le troisième. Je l'aime moins parce que pour l'instant, nous sommes quatre, mais nous pourrions être cinq, six. Nous sommes cinq. Nous pourrions être beaucoup plus nombreux après et ça me gênerait. En plus, le fait qu'ils soient les uns à côté des autres, je préfère que les uns soient ensemble avec les autres. C'est pour ça que je voterais peut-être pour le numéro 2. Voilà. Mais ça n'est qu'une impression. Encore une fois, devant une œuvre d'art, les appréciations peuvent être diverses. Merci beaucoup. Ah ben, vous pouvez voter. Merci, Président. Alors, du coup, ben, après ces quelques explications, on va pouvoir passer au vote. Je crois qu'il y a déjà une partie des gens qui ont voté. Camille, est-ce qu'il y a une bonne progression des participants? Donc là, on a 24 personnes qui ont voté, 31 personnes qui se sont connectées. Tout à l'heure, il y a 23 personnes qui ont voté pour le petit sondage test. Donc, on a bientôt atteint... Est-ce que nos amis cubains peuvent peut-être, même s'ils ne le mettent pas sur le chat, me faire un petit WhatsApp pour me dire leur choix en interne? Ou s'ils ont pu voter sur le chat ou utiliser l'app. Nada más mandenme mensaje por WhatsApp y voy a contar su voto. Si es posible darme su respuesta sobre WhatsApp, por favor. Un consenso interno y nuestro voto tiene una puntuación de 10 personas, que somos los que estamos aquí. Sí, pueden tenerlo. No estoy segura de haber entendido. ¿Pueden repetir, por favor? Ok, yo he recibido su respuesta en RH, es el logo número 2 para las 10 personas. Todo el mundo vota el logo número 2. No es un voto secreto, lo siento. Bueno, entonces,
Camille. Ok, merci. Le gagnant est... Alors, j'affiche les résultats auxquels on ajoutera du coup 10 votes pour le logo numéro 2, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà, les résultats sont sans appel. Le logo numéro 2 a donc recueilli 18 voix, plus 10, donc 28 voix, contre 7 pour le logo 3 et 0 pour le logo 1. Merci à tous pour ce vote et merci à Philippe pour avoir dessiné ces trois logos. Voilà. Alors, bon, nous notons la belle influence de notre président déjà dès le départ. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté, d'un côté l'assainissement avec le marron, l'autre côté la Caraïbe, la fleur est représentée. Bon, voilà. Donc, de toute façon, ce travail de logo sera affiné par une société de communication spécialisée qui vous feront des présentations, des propositions au prochain comité de pilotage. Mais en partant de cette idée-là, il y aura un plan de communication avec une charte de communication, mais tout ça vous sera déployé demain. Alors, nous arrivons à la dernière animation avant de vous quitter. Nous avons réfléchi au fait que, étant en distanciel, on ne pouvait pas se serrer les mains, se prendre dans les bras. C'était un peu compliqué, même si on finissait souvent les réunions avec notamment Amaori qui nous faisait comme ça pour se dire au revoir. Mais alors, on s'est dit que ça pouvait être un signe sympathique. Mais on vous propose, pour faire la photo finale, d'un signe qui fait partie du langage des signes des malentendants, qui est le signe de l'union, qui est le signe qui veut dire ensemble. Alors, je vais vous inviter à tous faire ce signe ensemble. Alors, on va vous le montrer à l'écran pour que vous puissiez... Voilà. Donc, vous mettez vos doigts, vous les entrecroisez, les pouces et l'index. Vous ouvrez, en fait, vos doigts. Et alors, si vous me laissez le temps de prendre la photo, il va falloir garder la position. Tiens, mets la position, hein, comme on dit. Alors, est-ce que Chloé comme ça. Est-ce que Chloé, tu peux juste s'assurer que peut-être enlever le partage d'écran pour qu'on puisse faire une photo avec toutes les caméras qui s'affichent, parce que là, je suis pas sûre qu'on ait la totalité. Non, absolument. Bon retour. Allez, il faut qu'on mette en mode. C'est bon comme ça ? Voilà. Superbe. Alors, on se fait le signe, et qui est une symbolique pour dire qu'on va tous travailler ensemble sur ce projet de Caribsan et qu'on va aller très loin. Est-ce que la photo est prise, Chloé ? Alors, j'espère que quelqu'un a pris la photo. Alors, ne bougez pas, on va faire le plan B pour la photo. Normalement, ça ne donne pas trop de crampes. Hein. Merci à tous. C'est bon, la photo est prise. Merci. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous donnez rendez-vous demain matin. On va juste remettre le programme pour demain matin, pour ceux qui seront présents. Donc, c'est plutôt une matinée de comité de pilotage technique demain matin. On va passer en revue, en fait, chacun des work packages du projet Caribsan. Donc, on rappelle bien qu'il y a un work package de gestion du projet, un work package de communication. D'ailleurs, on commencera par la communication et les projets que nous avons. Un work package sur la formation, vraiment la formation pour l'ensemble des partenaires. Et puis, le work package sur vraiment la technique multicritère de l'INRAE. Donc, on va juste afficher le programme. C'est bon ? Voilà. Donc, demain matin, on vous donne rendez-vous alors à 8h30. On espérera qu'on aura mieux rodé les systèmes de connexion de traduction. Bon, globalement, ça ne s'est pas trop mal passé. On finit à l'heure. Je voudrais juste vous afficher le rendez-vous de demain matin. Donc, on se connecte à 8h30. 8h45, on a un premier prise de parole, et à 9h, on commence vraiment le travail. Demain, on rentre dans le dur du sujet. Pour finir, on va terminer avec l'image du président. Ce sera plus symbolique que la mienne. Donc, je vais couper mon micro. Il faut rouvrir le micro du président pour vous remercier en tout cas pour votre patience sur les problèmes techniques, en espérant que ça vous a plu. Président. En tout cas, rebonjour, rebonsoir, parce qu'il est déjà, plus de 12 heures. Je voudrais dire tout l'espoir que je mets dans cette collaboration entre les pays de la Caraïbe. Il s'agit d'un sujet majeur pour nous, l'assainissement,
et qui frappe une très, très grande partie de nos populations et aussi qui a un impact très, très important sur l'environnement. Ce que je souhaiterais vous dire, c'est que nous puissions mettre ensemble nos forces pour réussir ensemble cette expérience écologique qui a aussi de l'importance, aussi bien sur la population que sur l'environnement de nos pays respectifs. En tout cas, bon courage, bon travail pour demain, bonne coopération, et c'est ensemble que nous réussirons. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin de journée à tous. Goodbye. Hasta luego. Bye. Merci à tous. Muchas gracias para todos. Bye, Magnus. Bye, Ignatius. Bye, bye, Lucien.